Yo, yo. Bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dodgeball Academy. On va aller à l'école. Et en sport, on fait du dodgeball. Pardon, ça va se battre. On va envoyer des boulets de canon. C'est parti. Vous sentez cette atmosphère survoltée? Ça sent surtout la moisissure. Je partage cette curiosité concernant la nature des élèves que nous allons former cette année. Le tournoi révélera certainement beaucoup de nouveaux talents. Le tournoi? Ah, vous voilà enfin! Pourquoi venez-vous toujours ici? Cet endroit sent le moisi, il faudrait aérer un peu. Principal, ils sont là, pas vrai? Pas vrai? Oui, ils sont là. Nos nouveaux élèves sont arrivés. Quoi? Mu? Mu par l'allant de la jeunesse? Bizarre comme expression. Splendide, la cérémonie devrait bientôt commencer. En effet, ils ont l'air prometteurs et ça vaudrait mieux car l'avenir de l'école est entre leurs mains. L'avenir de l'école? Otto! Otto! Otto fait ci! Otto fait ça! Pardon. Otto, tu dois honorer la tradition familiale. Une lettre. Tu es un sorcier, Harry. Jeune Otto, félicitations. Nous sommes ravis de t'informer de ton admission à l'Académie de Dodgeball, centre formant les meilleurs joueurs de Dodgeball du monde entier. Super, on est parti! Réussi! Je suis vraiment là? Je suis là pour de vrai! Moi qu'on pensait incapable de survivre dans le coffre à bagages. Ah, la preuve que si. Très bien. Carte de l'école téléchargée sur mon téléphone, je suis pareil. Ah zut! Je suis super en retard. Ils ont déjà dû commencer cette fameuse cérémonie. Je ferais bien de me dépêcher. Que les jeux commencent. Mais avant ça, qu'est-ce que je fabrique? Je dois aller. Ok, on viendra fouiller plus tard. Allez, on fonce. Alors c'est ça, la célèbre académie de Dodgeball. Ouah, c'est génial! On va pouvoir envoyer des. Ouah, ils s'envoient des ballons, ils sont même pas à la cérémonie! Ah, heureusement, j'ai vu qu'il y avait l'infirmerie. C'est très important quand on fait du dodgeball. Oh non, la cérémonie a vraiment commencé. Il faut que je me presse. Allez, on marche dans l'herbe, on s'en fout. Je crois que je vais juste la regarder d'ici.
Or, donc, quand le héros vint enchâsser cette balle dans la paroi rocheuse, tous furent trop ébahis pour poursuivre le combat. C'est ainsi que la paix a régné depuis lors. Regardez, elle tourne encore à ce jour, débordant de puissance. Qui a mis un terme à la grande guerre du dodgeball? Cette relique alimente désormais l'institut entier, qui n'existerait pas sans elle. Fin de la parenthèse historique. Sur ce, reprenons la cérémonie traditionnelle. Veux-tu bien être le prochain, mon jeune ami? Avance et place tes mains sur la relique magique. Avec précaution, évidemment. Éveillons le pouvoir qui sommeille en toi. Je me fends puissant. Je fuis une centrale électrique. Une vraie froffre de la nature. Personne n'est a fait fort face à moi. C'est horrible. Ok, c'est bon petit, laisse la place. Oui mon fieu. Des jeunes surboostés, aucun risque que ça parte en sucette. J'adore. Suivant. Super. Je n'ai pas manqué la cérémonie. Sauf que je vois rien d'ici, je devrais me rapprocher. Pardon? Ok, le suivant est... L'heure est enfin venue, j'attends ça depuis si longtemps. Il est temps d'éveiller mon véritable potentiel, je serai le meilleur... Voilà, qui vient juste d'arriver, viens ici. Pardon. Hein? Bon, je peux encore attendre un peu. Inutile de faire des vagues. Oh, oh, moi? Je suis prêt. Touche la relique et laisse-la éveiller le pouvoir qui sommeille en toi. Voyons voir. Hein. Oh oui, 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 ça marche vraiment. Je le sens, mon potentiel. Je vois ce que je peux devenir si clairement. S'il force trop, il va faire caca. Alors, tire. Ok, on veut pas jouer un mec par terre. Il reste plus qu'un ballon, t'es mort. Par contre, oui, c'est bien de me dire tire, mais Et voici mon attaque finale, attention les yeux. Hadouken. Bio. Ah, ce jeune. C'est jeune. Si facile à impressionner. Voilà bien longtemps qu'un élève ne s'était pas assoupi si longtemps. Bon, accueillons un dernier élève. Cet enfant a l'air grognon, n'est-ce pas lui qui a expressément demandé à participer? Oups, j'ai dû faire passer le garçon aux cheveux en pointe avant lui. Désolé petit. Approche. L'heure est venue de te révéler. Oh enfin. Hein? Oups. Je crois que tu n'as pas été synchro. Tu peux réessayer. Tiens. Pourquoi il ne se passait rien? C'est cassé ou quoi?
Ça pourrait être un rare cas de nullité. Tu viendras me parler tout à l'heure, Nino. C'est un cas très intéressant. Pourquoi j'étais censé être... Professeur, je demande un match de dodgeball. Pendant la cérémonie, c'est très inhabituel. Un match maintenant! Eh ben, il a l'air habitué à obtenir ce qu'il veut. Vous perturbez toute la cérémonie. J'adore organiser un match tout de suite. Je suis partante. Respire, Fortunato, respire. Pour que tu sois plus équilibré, faisons deux équipes de deux. Boris, Baudruche, à vous de jouer. Je dois vraiment y aller? Oui. Ah, Baudruche qui se dégonfle. On dégage le cours. Nino et Baudruche contre Boris. Et le nouveau, là. Ouah, c'est moi qui joue. Je déclare ouvert le match d'inauguration. Nouveaux et anciens élèves sur le même cours. Commencez beau. Ah oui, commencez beau. Désolé, hein, je lis un peu bizarre. On va rectifier ça vite fait. Par ça, je veux dire vos tronches. Elle est top cette cérémonie. Bon, on vient d'arriver à l'école et c'est déjà ça. Hop, c'est à moi. Hadouken. Ah ah, j'ai esquivé. Hadouken. Nino, si tu me permets, tu peux parler au nouveau... Quoi, je peux parler au nouveau un instant? Pardon. Quoi encore? Dis le nouveau. Tu sais intercepter la balle? Bah maintenant oui. Ça demande un peu de synchronisation. Tu veux que je t'apprenne? Vas-y, apprends-moi. Ok. Tu peux te défendre en interceptant la balle au bon moment. Je crois qu'il vaudrait mieux t'exercer un peu. Vas-y. Voilà. Pour intercepter... quand une balle lancée arrive tout près de toi. Essaie d'intercepter la balle au moins 3 fois, je crois que ça suffira pour commencer. Ah, tiens, dans ta gueule. Et lui, il s'est même pas intercepté. Ah ah, 2-2 dans ta gueule. Et la musique, ça fait Pokémon. Très bien, c'était super, je crois qu'on peut passer au match maintenant. Gros, j'accélère un peu. Ok. Sois gentil, s'il te plaît. Défoncez la gueule! Trop balèze! Super pouvoir! Ouais, je suis trop fort. Le dodgeball, c'est... c'est ma cam. Bon, encore là, les balles vont pas vite. Illumination! Mince, la victoire dépend de moi. Hé, le nouveau. Tu prends trop de temps. Je vais gérer ça. Fais-moi entrer avec RT. Oh! Oh mon dieu! Pardon. J'ai perdu. Je n'avais encore jamais perdu. C'était un super match. Tu es un excellent joueur. Silence. Tu trouves que c'était juste? Tu faisais équipe avec un bon joueur. Moi, je n'avais que lui. Désolé. Mais on était face à Boris. Qu'est-ce que je pouvais faire? Du calme, mon pote. C'était qu'un match amical. Vous êtes aussi nul que je pensais. Je me tire un conseil, les losers, ne cherchez pas. Casse-toi. C'était qu'un match. Tu ne t'amélioreras jamais avec cet état d'esprit. Je retourne au dortoir. La médiocrité me gagne. N'oublie pas de venir à mon bureau plus tard, Nino. Hé, une seconde. S'il veut, lui. Attends-toi. Auto,
Otto, tu as manqué le gros de la cérémonie. Viens voir les professeurs dans le hall, nous te ferons un récapitulatif. D'accord, mais j'ignore où ça se trouve. Ah oui, Baudruche. Pardon, tu veux bien montrer le chemin à Otto, s'il te plaît? Bien sûr, professeur Kat. Désolé, je suis encore un peu malade alors. Eh mec, tu as fait un bon match? Oh, merci. Tu vois que tu as une carte de l'école? Tu peux marquer le bâtiment principal dessus. Là, tu peux utiliser ce marqueur pour te repérer dans l'école. Faisons pas attendre les professeurs. Oh, il est rentré dans moi! C'est où? C'est là-haut. Ok, on est parti. Doum, 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 doum. Putain, ça a l'air trop cool le jeu. Il y a des ballons partout. Hop. 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 Je pique tous les ballons. Bien, cher petit Otto, je vais essayer de faire court. Chaque année, l'école est tenue d'évaluer les compétences de nos élèves. Nous devons veiller à ce que les élèves reçoivent la formation adéquate pour améliorer leur technique. Sans oublier le développement de la force. Oui, et leur agilité également. On ne peut pas éviter la balle si on bouge comme un sac à patates. Enfin bref. Si l'école peut prouver qu'elle remplit correctement son rôle, nous conserverons la dodgeball du... Non. Nous conserverons, si, la dodgeball du héros. Si jamais nous la perdons, je crains que l'école ne s'en remette pas. Toute l'énergie de ce lieu provient de cette relique. Dans ce but, et pour faire progresser l'étude de la pratique du dodgeball, et regarder tout le monde se faire démolir, nous organisons un tournoi de dodgeball chaque année. Un tournoi? Je veux y participer. Je m'en doutais. Mais tu ne peux pas te présenter tout seul, il te faudra deux autres personnes pour former une équipe et t'inscrire. Au fait, la clôture des inscriptions, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est quoi cette pression? Nous aimons encourager les jeunes à se bouger les fesses. Je peux présenter Otto à des élèves qui cherchent des équipes. Si tu veux, bien sûr. Est-ce que Baudruche n'est pas adorable? Top. Top, Baudruche! À toi de jouer! On va parler un peu avec les profs. C'est parti, Otto! Allons trouver de nouveaux amis. D'accord. Maintenant, va, jeune homme. Trouve-toi des coéquipiers. Allez, quoi, du nerf! Tu dois trouver des coéquipiers. Ok. Bah, allons trouver des coéquipiers. Il est où, Baudruche? Ah, bah, il est là. Alors, Otto, je pense te présenter à Naya et Kiabo. Peut-être rejoindront-ils ton équipe. Je crois les avoir vus près de la bibliothèque. Allons-y, tu vas adorer consulter le... Consulte le marqueur en suivant sur la carte. Je vais garder tes PV au max. Si jamais tu te blesses en chemin, vu que l'infirmerie est encore fermée. Bien, allons-y. À gauche. Waouh, c'est grand l'école. Bon, tant qu'on est là, autant te montrer l'espace de loisirs. Mais c'est méga grand. Il y a même des boutiques. Ouais, la bibliothèque. Une boutique. Et en hauteur, notre dortoir. Je crois que c'est mon endroit préféré de toute l'école. C'est assez reposant et on n'y trouve pas de dodgeball qui te rase le crâne. Oh, là-bas, je crois apercevoir Naya et Kiabo. Sur la place. Salut les amis.
Désolé, nouveau, je suis déjà dans une équipe. Hein? On n'a rien demandé. Et puis, c'est quoi cette odeur? Je devrais peut-être arrêter les oignons. Et toi, Gabo? Tu veux rejoindre l'équipe d'Auto? C'est à moi que tu parles. Et j'ai une tête à rejoindre l'équipe du nouveau juste parce que tu le demandes. Ouais. Ah bon? Alors c'est que mon regard n'est pas assez méchant. Menaçant. Faut que je fasse plus flipper. Alors, allez voir ailleurs, ce car. Ah. Il reste qui? Salut. Le nouveau. Ça te dit une partie de dodgeball? Voilà ce que je veux entendre. Bon, on va se dodgeballer alors. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens jouer. Tu vas faire quoi? Sans ces petits bébés. Auto, elle gagne du temps. Ça ne peut pas durer éternellement, cela dit. Bientôt les balles vont... Ah ah! Ah oui, si tu les gardes trop, elles explosent. D'accord, les balles vont exploser. Retiens bien ça. J'étais meilleur avant. Ah, j'ai capté quand elle fait des roulades, là, ce... Ah, j'ai plus de ballon. J'ai failli perdre. Mais j'ai gagné contre Vampy. Niveau 3. Alors, point d'expérience 55, argent 0,25$ et petite douceur. Ouais. Il nous donne des trucs. Eh, tu es plutôt doué, tu veux rejoindre mon équipe? Non. Je l'aime bien. Tu ne devrais pas trop la côtoyer, Otto. C'est la petite sœur de Boris. Qui sait ça déjà? Le type avec qui tu as fait équipe au match d'inauguration? Bon, il te manque toujours une équipe. Essayons la bibliothèque. Bah ouais, go la bibliothèque. Pour l'instant, je fais ce qu'ils me disent. Hein. Après, je parlerai à tout le monde. Vous inquiétez pas. Je suis du genre à parler à tout le monde, de toute façon. Salut, Carlos. Oh, regardez ce qui est là, le gentil garçon et le héros. Hein? Tu as ça dans le sang, mec. Je capte pas. Chut. Quoi? Je dis rien. Pourquoi une bibliothèque dans une école de dodgeball d'ailleurs? Quoi? Les livres, c'est comme des tirelires. Mais au lieu des pièces, tu trouves des mots qu'on enregistre avec l'esprit. Et ces mots constituent le savoir du dodgeball. Technique, histoire, légende. Tu comprends? Alors écoute, tu veux rejoindre mon équipe ou non? Pas question de signer à 100 points. Casser du pif à coups d'accessoires de sport sphérique, c'est fini pour moi. Je suis zen désormais. Je croyais que tu étais zen toi aussi, Baudruche. Oui, oui. Je ne peux pas jouer du tout. J'aide juste Auto à trouver une équipe. C'est mort. Chut. Allons voir ailleurs, Baudruche. A plus, héros, ou serais-tu plutôt une sorte d'anti-héros? Je suis surtout sans équipe. Allez, viens, Baudruche. On se casse. Alors, on essaie qui maintenant? Bah, il y aurait bien quelqu'un. Je sens un mais arriver. Voire un cependant.
La dernière personne l'ayant défié a terminé à l'infirmerie. Et celle avant elle. La précédente aussi. Tout à fait le genre de joueuse dont j'ai besoin dans l'équipe. Je suppose, d'accord, je vais te la présenter. Dis donc, Baudruche, c'est elle la personne dont tu parlais? Non. Ça, c'est Calamari. Poto, c'est ça? Exact. Tu veux rejoindre mon équipe? Pardon. On m'a mis face à toi. Alors, en garde, marin de douce. Ça me va, tiens-toi prêt. Ah, on va encore dodgeballer. Ça commence fort. Oh que non, tu t'en sortiras pas sans combattre. Tiens, ta gueule. Tiens, marin d'eau douce. Tiens, c'est toi le marin d'eau douce. Ballon dans ta gueule. Ah, ça a pas marché. Ah, trop tôt. Ah, trop tôt. Eh ouais, je suis trop balèze. Enfin, c'est quand même des niveaux 2, des niveaux 3, et je suis niveau 3. Expérience et de la thune. On touche pas beaucoup. Hein? Impressionné, hein? Je serais ravi de te compter dans mon équipe. Je te préviens, je ne fais ça que pour le trésor. C'était bizarre. C'était... Au moins, ce n'était pas Boris. Encore ce Boris. Mieux vaut ne pas le chercher, Otto. Tu l'as vu, il est méchant. Écoute, je me soucierai de Boris quand j'aurai mon équipe. Ok, je pense que cette fille devrait s'exercer sur l'un des cours autour de la place centrale. Consulte ta carte. Oh, j'ai oublié. Tu peux te déplacer dans l'école plus vite en roulant. Appuie sur B pour faire une roulade et Martel pour aller plus vite. Bon, allons-y. J'ai parlé. Tiens, salut. Hey, mon pote, tu vas suivre le match ce soir? Les Xapirnos doivent s'arracher, sinon ciao. Oh, tu parles. Je sais pas, mec, si on continue, on va être calé. J'ai retrouvé un ballon. Waouh! La bibliothèque nous fait parfois des quiz surprises. On ne peut jamais se relâcher. C'est quoi ça? Un ballon? Haha! Hihi! Tu es trop mignon. Je te passerai toujours le ballon, mon chouchou. Je n'arrête pas de penser à ce match que j'ai perdu. Comment je fais pour rater ce tir? Oh, mais qui voilà? Ballon Boy est le sujet de test numéro 7. En quoi puis-je vous aider? Sujet de test? Et ne m'ignorez pas. Tu me dis que j'aurai un trésor si je défie le nouveau. Effectivement, le plus grand trésor qui existe, le savoir. Sans blague! Pas d'or! Ah, je m'en vais. Bon, puisque t'es là, tu veux bien me rendre un service? Un service très simple pour la science. Tu vois cet individu? Ouais. Je veux que tu lui flanques une raclée. Tu veux dire dodgeball, n'est-ce pas? Bien sûr, imbécile. C'est vraiment une démarche bizarre et super fastoche. C'est comme si c'était fait. Ouais, j'ai une quête. Quête annexe. Parfait. Reviens me voir quand tu l'auras terminé. Sans blague. Tu commences à me faire douter. Attends. Ça se passe en général à cette heure-ci. Oh, l'odeur de la mer, ça me rappelle des souvenirs. Tu as obtenu soda au citron. Ok, j'ai pété un truc. Tu crois que le dodgeball peut se jouer dans l'eau? Comme un jeu de piscine? Hmm.
Noto. C'est pas le chemin du dortoir. Je vais... Tu veux l'adorer? Ah non, non. Ça c'est le chemin du dortoir. Tu vas l'adorer. Mais on doit d'abord se dépêcher de trouver une équipe. Ok. Je peux pas récupérer mon ballon. Je dois maintenir le rythme si je veux m'améliorer. C'est le seul distributeur que j'ai pu trouver qui fonctionne encore, mais il est vide. Ouais. Petite douceur. Code 9. Il paraît que je dois être affronté. Une fille me l'a demandé, un truc scientifique, t'es partant. C'est courageux de ta part. D'accord, je suis prêt. Wow, on va... Go dodgeball. Hé, le nouveau. Crois pas que je vais te ménager parce que tu viens de débarquer. En fait, c'est une excellente occasion d'essayer ma nouvelle technique spéciale. Voyons comment tu t'en sors. Hop. Oh, bien joué. Hey, t'as de la guimauve dans tes mains ou quoi toi? C'est quoi tes balles? J'ai mal appuyé. Tiens, voilà un ballon. Tiens, voilà un deuxième. Oh, joli. Ah, pourquoi j'ai envoyé tout de suite? J'ai défoncé. Il était niveau 7. Mais il faisait des balles de... Bonjour, tu sais qui arrive? Il faisait des balles de nul. Bien joué le nouveau, il va falloir que je m'entraîne davantage. Ah ah, comment je t'ai défoncé. Cool, un ballon. On va les rendre la quête. Bon travail, ces données sont très précieuses. Alors, on fait quoi maintenant? Oui, oui. 56 plus 98, tu retiens 1. Ça s'annonce très prometteur. Je crois qu'elle ne t'écoute pas. La science, t'es redevable de tes efforts. Tu mérites une récompense, prends ça. Ouah, un bandana usé. C'est un équipement. Pour l'utiliser en combat, tu dois d'abord ouvrir ton menu avec Y et accéder à la section équipement. Assigne cet équipement à un joueur et voilà, ça devrait te faciliter un peu les choses. Il faut maintenant que j'étudie à fond ces résultats. Alors, équipement. Ça met quoi? Augmente les PV max de 10%. Bam! Je mets le bandana, moi. Ok, c'est pas des trucs qui se voient. Allez, on va aller chercher l'équipe. Ouais, on dit oui, c'est en fait, c'est, je dirais, c'est une sorte de mélange entre Pokémon et comment ça s'appelle? Ah, le jeu de foot là, machin truc élevé. Je sais plus, un jeu de foot. Ne jette pas de détritus, ok, j'étais à l'œil. Eh, hey, tu veux que je te bouge ou quoi? Toutes mes excuses, une inspection est en cours à l'infirmerie. Ça devrait être opérationnel sous peu, mais il va falloir repasser plus tard. J'ai plus le nom du... Ouais, salut, tu te joins à nous pour notre jogging quotidien.
Hey, ne t'approche pas autant. Ces lunettes d'onchon sont ce qui se fait de mieux. Et tu me les as embuées en respirant si fort. Ah, un ballon. Moi, je prends tous les ballons. Putain, j'ai perdu le nom, ça me saoule. Inazuma Eleven. C'est qui eux? Eh hey, toi, une partie rapide, ça te dit? Ok. Dodgeball. Tiens, dans ta gueule. Ah ah, je suis trop fort. Par contre, je sais pas viser. Allez, voilà. Non mais attends. Oui, oui, oui. En plus, il n'y a pas d'infirmerie. Ah oui, mais elle est pas là, d'accord. Toi, Bleuzaï, tu penses pouvoir nous battre tous les trois? What? Ah ouais, mais j'ai pas d'équipe, moi. Tiens. Hop, c'est son volant. Bien joué. Eh, viens pas dans mon espace, quoi. Allez, toi t'es KO. Allez, toi t'es KO. Ah, KO les nuls. Ah, oh, je suis presque niveau 4. Aïe. Merde. Cool, une tranche d'ananas. Ananas ou ananas? Ananas. Là. Une truffe au chocolat. Hein? Vous nous écoutiez? Je viens d'arriver. C'est la réunion de notre club secret, on ne peut pas débarquer comme ça. Ok, ok, pardon. On ne peut pas parler aux étrangers. Je parle étranger. Oh, oups. Alors? Cool, une mandarine. On a une bonne vue sur la forêt ici. On peut pas y aller. Là y'a rien. En fait, pour avancer plus vite, je peux faire ça. Mais je trouve pas ça cool. Donc, j'espère obtenir ma licence Ultiball quand j'aurai mon diplôme. Je crois que mon Ultiball de soins pourrait aider les gens en dehors des matchs. Ça a l'air cool. Hey, toi, je vois que tu es nouveau ici, alors je te préviens. Je suis de loin le meilleur joueur du coin. Tout le monde, même Boris te le dira. Alors oui, juste pour ton information, le king ici c'est moi. J'ai vu ce dont Boris est capable. Ça me donne encore plus envie de t'affronter. Hey, tu as du courage, j'aime ça. C'est génial d'être entouré de tant de joueurs formidables. Rien à voir avec mon ancienne école. Bon, monsieur le King, on s'affronte. Tu es sûr de vouloir? Ouais. Vraiment? Sûr de chez sûr? Ouais. Non, parce que je suis super balèze, hein. Il serait donc tout à fait normal que tu décides de pas m'affronter. Et je dirai à personne, hein, juré. Bon, pour la dernière fois, t'es vraiment, vraiment, vraiment sûr de vouloir m'affronter? Oui, affrontons-nous. Bien, je t'aurais prévenu.
Prépare-toi. Oh, enfin. Dodgeball. Il est zéro en fait. Il avait un point de vie. Là, j'ai pas eu mon niveau. Ah, il m'a donné que un point d'expérience. Oui, 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 bien joué. Bah alors, je croyais que tu étais le meilleur joueur. Ah, je suis fort et je vais te le prouver. Reviens plus tard, tu verras. Je vais m'améliorer. Je n'ai pas dit mon dernier mot. D'accord, d'accord. J'ai hâte de voir ça. Bon, bah à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Oh, il est zéro, lui. Ça me rappelle un copain vantard du nom de Dark Mist. Il se vante, et puis finalement... Hein. Hey, salut. Courir, c'est ma vie. Ah bah alors cours. Hein. Ah, ok. Tiens, il y a quelqu'un ici. Tu sais, le dodgeball du héros tourne sur son socle depuis des siècles. D'après la légende, c'est elle qui a amené la paix dans le monde. Elle fournit l'énergie à l'école et elle aide les élèves à découvrir leur technique ultime. Ultiballement. Tu sais que tu peux rouler avec B. Ça te permet de te déplacer plus vite. Ouais, mais c'est nul. Hop, je prends un ballon. Salut, chat. Ce jardin est très reposant. Allez, tout le monde, on ne s'arrête pas. Hop, hop. Non, je voulais te parler. Ah bah tant pis. Oh, l'agression, toi. Je voulais lui parler, je lui ai collé un ballon dans sa gueule. Le principal est une vraie légende. Il détient toujours le record du titre en première division de la FID. Pas celui qui était en fauteuil roulant. Je me demande s'il voudra sortir avec moi. Sa façon de jouer est simplement hallucinante. Je regarde vite fait. Ah, là-bas. Bar cacaloté. Cacaloté. Pudding au lait. Eh mais reviens là, toi. Je m'entraîne dur pour avoir des jambes aussi musclées. Ok. Qu'y a-t-il là-haut? Encore des gens. Le téléphérique ne fonctionne pas. Quelqu'un a apparemment envoyé un ballon trop violent sur le mécanisme. Yo, regarde. Ça va être joli. C'est la nouvelle mascotte que j'ai conçue pour le service de téléphérique. Elle est cool. Allez, on va voir si on peut recruter notre nouveau membre. Excuse-moi, Mina. Nous, c'est... Crache le morceau, Baudruche. Je mords pas. Pas en dehors du terrain, en tout cas. Bonjour, moi, c'est Otto. Je constitue une équipe pour participer au tournoi. Hop, hop, hop. Tu rigoles, mec. Je ne rejoins pas les équipes balèzes. Eh bien, on n'a qu'à faire un match. Alors, je vais te montrer ce que je joue. Hors de question que je joue contre un débutant dans ton genre. Oh non, Boris. Tiens, comment on se retrouve le nouveau? Salut Boris, c'est ça? Super match tout à l'heure. Tu veux rejoindre mon équipe? Je suis venu te montrer qui est le boss dans le coin. Un match contre le dur à cuire de l'école pour mon premier jour. Enfin, c'est moi, je rêve. Quoi? Tu vas plus ricaner longtemps. C'est un sourire.
Voyons voir. Contre toi, je vais seulement employer 10% de ma force. Et je vais m'employer 100% de ta face. Il est mort, je veux voir ça. Comme vous voulez, bande de nazes. Mais vous mettez pas sur mon chemin. C'est quoi ces agressions là? Hop, ballon, c'est pour moi. Allez, dans la gueule. Eh, t'es résistant, ton gars. Ah ouais, lui quand il me tape, ça tape deux fois. Je m'en souvenais. Oh non, j'ai perdu tous mes ballons. Oh le salaud. Eh, relève-toi. Oh non, il m'a défoncé. Défaite. C'est seulement 10% là. Il arrive quoi, 100%? Je perds mon temps. Restez hors de mon chemin et je vous laisserai peut-être vivre, bande de nazes. J'ai trouvé mon rival. Tu es encore en vie? On est encore en vie! Ma jeunesse n'a pas été fauchée. D'accord, Otto. Au moins, t'as la niaque. Vous me faites quoi, là, vous deux? J'ai même pas gagné. Et il s'est barbé, c'est limite pire que de perdre. Boris est le type le plus fort de l'école. Otto, et tu lui as tenu tête, très impressionnant. Allez, on n'a pas toute la journée. Tu joues ou pas? Et comment? Très bien. Alors c'est parti. Je viens d'affronter Boris, j'ai rivalisé, comment je vais t'éclater? Hey, joli. Otto, attention au contre de Mina. Bien sûr, tu peux toujours intercepter une balle renvoyée pour te défendre. Ah, oh, comment je l'ai rattrapé juste après son contre-attaque là? Je l'ai défoncé. Et voilà, niveau 4! Et presque niveau 5! Ah, j'ai eu un vieux gant! Je crois que tu es le premier type que je n'envoie pas à l'infirmerie, Otto. Ça veut dire que tu vas rejoindre mon équipe? Bah, on fait avec ce qu'on a, pas vrai? Ouais, je t'avais dit que je t'impressionnerais! Je rejoins pas ta cause, pour ça Boris m'a traité de naze. Alors je suis dans ton camp, la prochaine fois qu'on l'affrontera, je lui mettrai une telle pilée qu'il ira droit en Asie par le centre de la Terre. Ah ouais, non mais là c'est trop bien, cool. Yes, on vient de recruter Mina. Vous avez l'air de bien... je recommence. Vous avez l'air de vous entendre, tant mieux. Mais il te manque encore un troisième membre pour l'inscription. Et le temps passe. Et le temps presse. Allons informer le professeur de ta progression. Oh, je vois. Eh bien, retournons dans le hall, alors. Ah oui, Otto. Attends que tu aies une coéquipière, tu peux changer l'ordre des équipes. Avec le menu. Équipe. Attendez, 30 secondes.
Voilà, désolé. Je me mouchais. Tu peux faire jouer Mina en première position dans ton équipe, par exemple. Pense à configurer ton équipe comme tu le sens. Ok, allons-y. Ah, mais moi, je vais dans équipement. Merde, j'ai pas vu. Augmente la force de 4%. Ah, je suis devenu trop balèze. Voilà le nouveau. T'as une équipe, petit gars? Ouais, une équipe prête à en découdre. Un point nommé, veux-tu bien me donner le nom? Les noms auto, je vais les saisir dans le système de l'école. À propos, je n'ai pas trouvé tes données dans le système auto. D'où as-tu été transféré au juge? Ailleurs, les inscriptions au tournoi seront clôturées dans 5 minutes. Ah, j'ai été transféré du lycée des Gonflis sur Orge. Oh, le héros, quelle horrible école. Nous sommes heureux de... Oh là. Nous sommes heureux de t'accueillir. Bien. Je t'écoute pour le nom. Oh, très franchement, je suis très curieux de savoir qui est le troisième membre. Très bien. L'équipe se compose de moi, Otto, de Mina et de Baudruche. Oui, c'est moi, bien sûr. Chouette. Je crois qu'il voulait pas... Quoi? Je ne sais pas jouer, Otto. Tu l'as vu lors de la cérémonie, je suis nul. Je suis si effrayé que ma tête explose. Détends-toi, mec. Tu n'auras pas à jouer, c'était la seule manière de m'inscrire. Attends. Tu te balades sur ce terrain et c'est bon. Excusez-moi, je suis inscrit en... Ah, c'est toi. Cool, toi aussi, tu as une équipe? Oui. Et je compte bien prendre ma revanche. Quoi, ici? Oui. Tu vois, Nino risque de ne pas pouvoir te battre tout seul, Otto. Et maintenant qu'il a rejoint mon équipe, c'est une autre histoire. Jouons selon les règles de prison. Les seuls qui finiront en prison ici, c'est vous, les gars. Mina, tu dois revenir à la maison. À la raison, pardon. Wouah! Juré! Je savais pas qu'elle se comportait comme ça. Non mais il se fiche de moi ou quoi? Otto, quand on joue selon la règle des prisons, les joueurs touchés viennent se placer derrière les adversaires. Ou dans leur cas, derrière nous. Ils vont nous mettre la pression de dos. Pour chaque adversaire prisonnier, le match deviendra de plus en plus corsé. Ça a l'air amusant. Ok, tiens-toi prêt, je voulais un match, tu vas en avoir un. Excellent, je t'attends. En mode prison. Les adversaires étaient touchés. Il va continuer de faire partie dans la zone derrière toi. Qui parvient à intercepter une balle, attention à son attaque. Okay. Ah merde, je me suis bourré de boutons. J'en suis pris trop dans la gueule. Bon, ils sont trop nuls de toute façon. Merci pour les ballons. Je l'ai défoncé.
Gant jaunâtre, petite douceur. Ah, j'ai eu un gant. Ça ne va pas. De quoi tu parles? Vous avez dit que j'étais faible et que vous conduirez à la victoire. Mais vous deux, vous êtes encore plus faibles. Vous n'êtes pas... vous ne vous êtes pas donné à fond. Eh, Fais pas juste. Vous croyez que c'est un jeu? Ben oui. Vous êtes un... Vous êtes un frein à ma progression. Notre contrat est fini. Et toi, Otto, je te battrai avec ou sans pouvoir. T'es content? Tu nous avais peur de notre meilleur joueur. Hein? En quoi c'est ma faute si vous... S'il vous a largué? C'est vous qui lui avez dit qu'il était faible. Selon moi, c'est plus votre faute que la mienne. Fait entièrement ta faute, il ferait rêver fille. Tu avais perdu. Et peut-être qu'on ferait aller en quart de finale. Et tu places la barre très bas là. J'ai peut-être une tronche de cube, mais je le garde sur mes épaules. Alors laisse-moi te dire une chose. Tu nous paieras ça, Otto. Ils ont le droit de me provoquer comme ça? Pardon. Je crois qu'il est très important pour les élèves d'apprendre à gérer les provocations. Dur. Enfin, on est admis au tournoi ou pas? Mais évidemment, mes amis. J'attends de grandes performances de votre part. Ah, c'est lui le principal. Ah, vous êtes qui, monsieur? Je suis le principal de cette institution. Oui, oui. Avec des élèves tels que vous, je ne doute pas que le tournoi sera passionnant. Une dernière chose, il faut un nom pour votre équipe. Un nom pour mon équipe? Hein? Je crois que je vais choisir les escamoteurs, les rentes dedans, les dents blanches. Je sais pas où les rentes dedans. Les rentes dedans, hein? Ouais. Ma foi, c'est ton équipe après tout. Baudruche, Otto. Non, Baudruche, Otto sera ton compagnon de chambre. Tu veux bien l'accompagner au dortoir? Bien sûr. Venez les gars. Vous n'êtes pas impatient de participer au tournoi? Ah, c'est vous. Vous avez vu ce match? Quel est le verdict du champion en titre sur les nouveaux élèves? Comparé à moi, ils sont tous minables. Objectivement, je veux dire. Le tournoi pourrait se révéler intéressant. Eh bien, quel soulagement! Nous devons en mettre plein la vue lors du tournoi si nous voulons prouver notre valeur à la Fédération Internationale de Foot de Dodgeball. Qu'en penses-tu, Vampy? J'esquive plus vite que la foudre. Ah ah, je confirme, Vampy. Quel rapport à ce que j'ai dit? Je dois y aller, des élèves à terroriser, ma tâche ici est terminée. A plus, bande de vieux. Arc. Ce jeune homme a un problème de comportement. Tu parles pour... Ok, je vais t'emmener au dortoir, Otto. C'est dans l'espace de loisirs, tu te rappelles? Tu peux consulter ta carte comme toujours. Tu parles, la meuf vampire, je l'ai affrontée, vous vous souvenez, on l'a affrontée quand elle fait des roulades, elle s'évanouit.
Gants jaunes. Augmente la force de 35% et les PV sont à... Si les PV sont à un niveau critique. Augmente la force de 4%. Allez, on est parti. On va au dortoir. Ouais, bah non. Ah, voilà, on y est. Le dortoir. Alors t'en dis quoi, entrons. Et voilà. Vas-y, fais le tour. Ouais, ça a l'air cool. On a des tas d'appareils à disposition, même un PC avec une Boltec TX3080 toute neuve. Ok Otto, notre chambre se trouve au premier étage. Ok. Hop, la salle. Là, il y en a encore un. Soda au citron. Il y a de la pizza et tout, les mecs, pour nettoyer en bas. Ce coffre est fermé à clé. Ok, il y a un coffre ici. Ça, c'est la buanderie. Elle a l'air cool, l'école. Donc, notre chambre, elle est au premier étage et on peut pas aller au deuxième. Ok, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Du coup là, ça c'est quoi? C'est les toilettes. Super, ils ont rangé mes affaires pile comme j'aime. Moi j'ai la chambre d'après. On se verra demain matin. Dors bien. Otto, tu peux te reposer dans ton lit chaque fois que tu en as envie. Pense à bien te reposer pour demain. Allez, on dort. Je suis vraiment ici, je peux y arriver et je peux décider de mon avenir. Bonne nuit, Baudruche. Merci pour cette visite de l'école. Pas de soucis, Otto. On mettra la gomme demain. Ah oui, demain on va aller en cours. Bonjour Otto. Bonjour. Alors c'est quand notre premier match? Hein? Je sais pas, on a cours là. Cours? C'est quand même une école, tu sais. On a cours avec
Fortunato aujourd'hui. Hein? J'en ai ma claque des cours. Mais on en a pas encore eu un seul. Il y en avait beaucoup à ton ancienne école? Ok, oui. Bon, allez, finissons-en. Oh, le mec, il se croit où? Salut les gars, c'est parti pour la journée. Ah bah y a des gens là. Bon, qui a utilisé le micro-ondes pour réchauffer des spaghettis hier soir? Il y a de la sauce tomate partout. Hors de question que je nettoie. Quelqu'un a mangé mon sandwich? Encore? À quoi ça sert que j'écrive mon nom dessus? Eh, quelqu'un a vu la télécommande de la télé quelque part? Je suis en train de créer le meilleur jeu de société inspiré du dodgeball de tous les temps. J'ai trouvé la télécommande, elle est là derrière le fauteuil. Ce trophée est vraiment trop classe. Il faut absolument que je le gagne un jour. Bon sang, quel bazar dans le dortoir hier soir. Bon sang, quel bazar dans le dortoir hier soir. J'ai super mal dormi. Pourquoi y a-t-il une cuisine dans notre dortoir? Tu sais cuisiner, toi? Quelqu'un ici sait cuisiner? Non. Donc, quand j'attrape le ballon, je cours vers le centre et je saute. Quelqu'un nous écoute? Oh, les murs ont des oreilles. Ah, tu sautes et tu... D'accord. Eh, je te lance un défi. Et tu ne peux pas refuser. C'est comme ça que ça se passe à l'Académie Dodgeball. Alors vas-y, go. Go Dodgeball. Hop, on a les ballons. Eh, je viens d'apprendre une nouvelle technique. Le fait de sauter. Oh, le double. Bah oui, j'avais deux ballons. Élimination. Ah, c'est en mode prison. Ok. Merci les gars. Dans sa face. L'autre, elle sert à rien, elle est collée derrière moi. Otto a appris échauffement. Ta force augmente définitivement. Comment ça? Faut que je regarde mon... Aïe! Battu par un petit nouveau. Je suis peut-être un petit nouveau, mais je suis trop fort. Je sais pas. C'est où? Équipement, objet, équipe. Tac, niveau 7, échauffement. Niveau 10. On va aller au niveau 50, d'accord. Et je peux pas changer. Ah oui, moi j'en ai un niveau 7, d'accord. Elle, c'est seulement à partir de niveau 10. D'accord. Ce que je voulais faire. Si, équipe. Je
Ouais, je voulais... Voilà. Il y a des points partout. Pas si vite. Tu es mon prochain adversaire. On va faire plein de combats. Attends. C'est à moi le ballon. Oh, elle est balèze en fait. Au lieu de rattraper le ballon, je le dégage. En plein visage. Et Baudruche irait sur le côté parce qu'il a peur. Et on gagne pas beaucoup de thunes. Aïe. Là-haut. Auto. Je crois que le Dodge Store a rouvert aujourd'hui. Ah bah on va aller faire un tour. J'ai pas beaucoup d'argent mais on va voir. Eh salut. N'est-ce pas un merveilleux jour pour se battre? Oui, je trouve. Go Dodgeball! Alors là, vous allez regretter. Ok, et elle a le dash. Ah ok, eux ils font pas du dodgeball prison. Ah si, bah pourquoi l'autre? Ah ouais, l'autre je l'ai complètement défoncé. Bam! Oh mais c'est... trop forte. Trop forte sa technique. Cool, ils m'ont donné 50 centimes. Un merveilleux jour pour se faire battre. Bon ça va, il est positif. Encore avec ta machine? Ah je l'ai vu hier. Bon on y go. On va aller voir dans la boutique. Salut! J'arrive pas à le croire! Ils ont finalement sorti de nouvelles figurines Magical Dodge Girl. Il me les faut toutes. Waouh, moi aussi. Avant j'adorais les jeux de société comme les aventuriers du dodgeball. Mais derrière moi, je suis plus jeu de rôle avec mon groupe. On est en pleine campagne de ballons et dragons. Oh là là, c'est magique les refs. Hop, je pique un ballon. Cette nouvelle paire d'Air Dodger 91, c'est trop la classe. Oh, mais qui voilà? Le type avec une dégaine de... Protagoniste, bienvenue dans ma boutique. Très sympa. Ça en fait des marchandises. Tu me flattes. J'ai un peu de tout, oui. Équipement, couvre-chef, chaussures, de tout, je te dis. Je crois... Non, le choix est un peu limité en ce moment, remarque. Mais n'hésite pas à repasser. Je reçois sans arrêt de nouveautés. Tu peux voir le catalogue. Va parcourir le catalogue. Alors, bandage rudimentaire, restaure 35% de tes PV après un combat. Ouais, augmente l'agilité de 40% après 2 minutes de combat. Ouais, augmente la défense de 20%.
dual. J'ai 15 balles. Ouais, vas-y, je le prends. Revenez quand vous voulez. Et voilà. Allez, on y va. Ah, en bas, il y avait peut-être moyen au niveau de la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai que j'ai... La dernière fois, j'ai pas pu visiter la bibliothèque. On a été trop vite. Et arrête pas de penser à ce match que j'ai perdu. Comment j'ai fait pour rester... Ouais. C'était pas ça. Ouais, ça, je les ai lus hier. Ça aussi. Et ça aussi. Et tu connais les effets de chaque attribut? La force augmente les dégâts que tu infliges à tes adversaires. L'agilité accélère le déplacement et tes chances de critique. Et la technique remplit plus vite ton ulti-ball et augmente tes bonus interception ou du coup. Et voilà, tu es un peu plus calé maintenant. Ma mission est accomplie. J'y crois pas, impossible de trouver l'encyclopédie du ulti-ball. Je dois absolument étudier toutes les techniques d'ulti-ball. Si je veux devenir un maître comme le professeur Fortunato. Il y a toutes sortes de livres sur l'histoire du dodgeball ici. J'adore celui sur le premier match de dodgeball qui a eu lieu sur la lune. Il est interdit de faire du bruit dans la bibliothèque. Ne me cassez pas les oreilles avec votre dodgeball. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. L'accès à cette zone est réservé à quelques anciens élèves privilégiés. Eh, j'ai eu des boucles d'oreilles. On va regarder vite fait. Boucles d'oreilles. Restaure le PV à hauteur de 15% des dégâts infligés aux adversaires. C'est cool, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre. Où pensez-vous aller comme ça? Vous avez une réservation pour le sous-sol, on ne peut pas entrer comme ça. Ok, pas besoin de m'attaquer, j'ai rien fait. Allez, on se casse. Allez, on roule. Ouais, mais c'est incontrôlable. Bon, par contre, ça marche pas pour les escaliers. Alors ça c'est l'école, salut, ne jette pas, ouais, c'est, tu me l'as dit hier. Toujours pas prêt? Ok. On va regarder le tableau. Ok. Courir, c'est sa vie. Ah oui, c'est vrai, je voulais fouiller le parking. Je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose. Ok, on peut pas sortir. Personne qui fait du dodgeball. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pas elle. Personne ingénieur ne peut pas la prendre, ni la lancer, la puissance est trop grande. Il faut un équipement et une technologie spécifique que seul possède le principal et la FID. Tu sais, le dodgeball du héros, quand on se... Ah, ça, je sais, tu me l'as dit la dernière fois. Non, je n'aurais pas vu... Tu n'aurais pas trouvé moi un porte-monnaie? Ok, je vais essayer de trouver ton porte-monnaie. Je sens que je vais tomber sur un mec qui va dire hey, j'ai trouvé un porte-monnaie, je vais dire hey, file le moi. Et puis qui va me dire bah vas-y affronte moi machin. Principal est une vraie légende. Ouais, je sais, tu me l'as dit ça déjà.
Je te demande s'il sortirait avec moi. Voilà. Un casque fissuré. Augmente la défense de 15%. Ah merde, j'aurais su. C'est pas grave, ce sera pour mon prochain choix. Non, un actif. Donc lui, un portefeuille. Un porte-monnaie, je veux dire. Salut. J'espère obtenir ma licence Ultiball. Ouais, ça je l'ai dit. Allez, des guerres piscines, y'a rien à voir ici. Ok, super. Truffe au chocolat. Toujours rien trouvé. Non. Toujours la réunion de ton club, ok. Ok, bon, j'ai vu personne qui a trouvé un portefeuille. Un porte-monnaie, pardon. Peut-être dans l'école. J'ai eu de la chance la dernière fois, mais aujourd'hui, j'ai pris un bon petit déj. Alors ça va être... T'es prêt? En garde. Allez, on lui met une rouste tous les jours. Eh ben, elle esquive. Tiens, je te présente ma copine. Elle te défonce. En plus, j'ai vu qu'elle avait, je sais pas, son poing était plus fort et sa défense aussi. Ah bah oui, mais c'est parce que je lui ai mis des trucs. Ouh, bien joué. Je vais m'améliorer, reviens me voir. Ah mais je vais pas faire ça tous les jours. Tu vas mourir à force. Personne d'autre. Ah, je m'en souvenais pas, je l'avais pété ça. Si, peut-être, je sais. C'est quoi là? Ouais, on va aller en classe. Allez, on y va. On va en cours. Ça va être cool l'école. Allez, hop, 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 je prends des ballons. Oh bon sang, mon casier est encore coincé. Elle te met pas devant, je vais le défoncer. Oh non! Où ai-je encore mis la clé de mon casier? Eh, vous trois, premier jour de cours? Tous vos cours se déroulent au premier étage. Le bureau principal est également là-haut, au cas où. Ok, d'accord, merci. Mince, où sont mes camarades? Il faut que je recopie les devoirs d'hier. Attends, on avait des devoirs hier? J'étais même pas au courant. Hein. Je tombe de sommeil. Pourquoi la classe commence si tôt? Pour qu'on puisse faire des entraînements de dodgeball plus tard. Dans l'après-midi. C'est connu. Je suis déjà complètement crevé.
D'accord, ça c'était la fresque Dodgeball. Ah, il y a du combat. Ça c'est ma classe. Ça, je sais pas c'est quoi. Mon cousin vit dans un autre pays. Tu savais qu'ils ont déjà la Dodge Station 7 là-bas? Waouh. Si, je t'assure, c'est mon oncle qui bosse chez Baltendo qui me l'a dit. Oh, Baltendo... La Dodge Station 7. Je la veux. J'adore les cours du professeur Makako. La force, il y a vraiment que ça de vrai. Ok. Je suis en train de lire une BD sur un sport où les joueurs doivent faire passer le ballon dans un panier. T'imagines un jeu où le but n'est pas d'envoyer un objet dans la figure de ton adversaire? Ah, ça s'appelle le basketball. J'espère pouvoir gagner un autre trophée pour l'ajouter au palmarès de l'école. Ouais. J'espère que le professeur Fortunato n'a pas prévu des travaux pratiques complètement dingues cette année. Ok. J'ai promis au principal de tout donner cette année. Je vais les rendre fiers de moi. D'accord. On peut pas monter. Bon, on va affronter le gars et... Ah non, c'est une quête. Dis, tu peux m'aider? C'est la journée à porter votre équipement. Et j'ai oublié le mien. Tu pourrais passer au Dodge Store et m'acheter du matériel. J'ai encore des devoirs à terminer avant le début des cours. Pourquoi suis-je toujours ici désorganisé? Achète-moi ce que tu veux. Tout fera l'affaire, voici de l'argent. Il m'a donné 6 balles. Achète-moi n'importe quoi au Dodge Store. C'est juste une histoire que j'aille pas les... En classe les mains vides. Ok, bah on va aller au magasin. Je vais lui prendre le moins cher pour garder la monnaie des 6 balles. C'est où le Dodge Store? C'est là-bas. Et eux là ils vont pas en cours. Ils abusent. J'en ai pris deux. J'ai une mauvaise nouvelle, je me suis trompé dans le planning. La journée à porter votre équipement, c'est pas aujourd'hui. Alors, garde ce que tu as acheté avec mon argent. Prends ça aussi, pour te remercier de ton aide. Bah, cool. Bon. J'ai quoi comme cours aujourd'hui déjà? Allez! Vous êtes légèrement en retard. Ah bah ouais, mais bon, en même temps. Je vais fermer les yeux pour cette fois, vu que c'est le premier jour. Aujourd'hui, nous allons parler des coups ultiball. Hier, vos capacités latentes ont été éveillées en touchant la dodgeball du héros. Lors de la cérémonie, aujourd'hui,
Vous apprendrez les aptitudes. Commençons par un match. Qui veut passer en premier? Moi. Voyons voir. Pourquoi pas Mina et... D'accord, Mina et Otto. Ouais. Je te vois bien. Je suis au taquet, on y va Otto. Alors, vous nous expliquez... Bien. Commençons par les tirs chargés. Tous les élèves sont différents à chacun... À chacun donc de faire ses propres expériences. Chargez pour votre lancer. Maintenant X. Quelques instants avant de relâcher. La charge est suffisante si votre coup se met à rayonner. Maintenant commençons par auto. Montre-moi 3 tirs. Oh la vache! Tu peux lancer du feu? C'est dinguerie, j'adore ces tirs chargés. Oui, très bien. Oh ouais, un tir électrique. Le mien est topissime. Intéressant. Bravo à vous deux. Un grand bravo. Bien, intéressons-nous maintenant au coup ultiball. Surveillez la jauge d'ultiball. Il est où? Ah, qui est en dessous? Sous votre jauge de PV. Une fois remplie, vous pouvez libérer une puissante attaque. Elle se remplit progressivement, mais vous pouvez l'accélérer avec une interception ou un contre. Mina, tu veux bien passer à la première? Je vais charger ta chauge d'ultiball, ok. Oh, trop cool, je le sens, oui. Otto, attention, attention les yeux. Ah oui, n'oubliez pas non plus de ramasser des ballons pour ramasser, pour asséner ton coup ultiball. Je les ai suppris. D'accord. C'était incroyable. J'ignorais que je savais faire ça. Parfait Mina. Très belle démonstration ma foi. Maintenant, laissons Otto se faire... laissons Otto faire une tentative. Je vais charger ta jauge ultiball également. Ouah, génial. Je me demande quel est mon coup ultiball. Ah moi je parie que ça va dépoter. Bah ouais ça va dépoter. Regardez bien. LT. Hadouki. Hein? Il s'est passé quoi? C'était le truc le plus nulos du jour. Ah oui, il semble que tu aies pas encore éveillé tout ton potentiel Otto. Le temps viendra où tu pourras réaliser un coup ultiball digne de ce nom. Ça n'arrivera quand tu auras le plus besoin, tu dois juste montrer passion. J'allais claquer un Hadouken du futur. Ces histoires d'ultiball, c'est top. C'est pas juste pourquoi j'ai pas de... A priori, Otto tient plus du zéro que du héros. Ouais, tu as trouvé ça tout seul. Ou c'est Danny qui t'a filé une anti-sèche? C'est pas une anti-sèche, c'est un mot d'excuse de ma mère, d'accord. Ça suffit vous deux. Voilà qui est bien curieux. Certaines personnes éveillent leur pouvoir en situation de stress où il y a d'autres déclics émotionnels. Otto fait sûrement partie de ceux-là. Chacun son rythme, il n'y a rien de mal à cela. Ah, Pixie, tu es en retard pour le cours. Désolé, on m'a chargé de vous annoncer un truc. Ils vont tirer les équipes pour dresser les tableaux du tournoi au Dôme. Et ça commence là tout de suite maintenant. Alors tout le monde doit y aller. Évidemment, il fallait que ce soit maintenant, en plein milieu du cours le plus important. Très bien les enfants, procédons de manière ordonnée. Tous ceux qui seront pas présents au briefing
au briefing seront exclus du tournoi. Oh punaise! Tous au dôme les gars! Salut Mina, sympa ton équipe. Forcément, je ne joue qu'avec les meilleurs. Il faut qu'on aille au dôme sur le champ. Merci pour l'info. Ah non, ne me remercie pas. Je ne vais pas rater l'occasion de mettre une raclée à Mina. Alors veille bien à figurer au tournoi. En fait, mon équipe a 83,7% de chance de battre ton équipe. Tu as vraiment calculé tout ça? Bien sûr. Et en toute franchise, nos chances de gagner ne s'élèvent qu'à 57,4% avant que tu les rejoignes, Baudruche. Oh. Bref, rendez-vous au dôme dès que possible, ok? Je crois que cette fille te déteste profondément, Mina. De quoi tu parles? On est super potes. Hein? En dodgeball, on a toujours été rivales, c'est sûr. Le truc qu'on voit dans tous les mangas de sport. Mais sinon, on s'entend super bien. D'accord. Bon, il faut qu'on aille au dôme. Ça va, Baudruche? Ouais. Alors, direction le dôme. Parce que nous, jamais on chôme. Et ouais. Attends, je vais parler à papy. De mon temps, les enfants étaient bien plus disciplinés. Je veux bien, mais c'est où le dôme? Le dôme, c'est Doha. Ah oui, tout le monde n'a pas d'équipe et tout le monde... D'accord. Ah, c'est qui ça? Oh non, j'ai dû faire tomber mon porte-monnaie dans cette poubelle après mon repas. Mais je n'ai pas trop envie de fouiller là-dedans, Manu. Oh, tu veux bien m'aider? Tu pourrais aller emprunter... La pince de ramassage de Georges. Je préfère surveiller la poubelle au cas où quelqu'un voudrait jeter son milkshake sur mon porte-monnaie. Ah! Ouais, bah j'irai plus tard voir Georges. Tiens, il y a des mecs là. Eh, salut! Toi, moi, baston maintenant. Oh, d'accord. Comment je vais le exploser? Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Hop, attention. Attention. Dans ta gueule. Électrique. Aïe. Oh, ça touche le mec à côté. Bam! Trop fort. Mina est trop balèze. Mina est trop balèze. Mina est trop balèze. Donne-moi un ballon. Donne-moi un ballon. T'es mort. Je touche. Non. Bon, j'ai pas réussi à placer ma super. Je suis un peu déçu. Là-dessus... Mais bon. J'ai perdu. Bah bien sûr que t'as perdu. Je t'ai défoncé. Salut. Ah bien, je commençais à croire que personne ne se présenterait pour livrer la bataille. Bah je vais te livrer bataille. Je vais même te livrer Fontaine. Merci. Ah merde. Thank you.
trop balèze pour l'instant. J'adore ce jeu. Merci pour le combat. Vivement que je recrute de nouveaux joueurs. Le dôme, c'est en bas. Non, c'est quoi ça? Non, ça c'est l'école. Qu'est-ce qu'a fait la petite moche? Précieuse pièce. Comment ça, précieuse pièce? Ce coffre est fermé à clé. Je reviendrai, c'est pas grave. Ah ah! Tu me cherches, tu me trouves. Eh oui, ça s'appelle la double tape. J'envoie le ballon, je le prends dans la tête, il tombe par terre, et quand il veut aller rechercher le ballon, bah il se prend le deuxième ballon qui arrive. Belle-père. Et comme ils ont oublié de faire la technique du... comment on appelle ça? De l'interception, bah voilà. Eh hey Georges, tu voudrais bien nous prêter la pince de ramassage? Oh ça, d'accord. Mais vous pourriez me rendre un service d'abord? J'ai envie d'aller aux toilettes. Vous voulez bien surveiller la réception pendant mon absence? Les gens viennent parfois s'affronter ici. C'est faisable? Ouais, pas de problème. Ah super, je reviens tout de suite. Bien, et maintenant, on doit juste attendre. Eh, hey, où est Georges? On avait pris rendez-vous pour un combat, on est pile à l'heure. Eh bien, c'est moi qui m'en charge, là, vas-y. Bah voilà, ils viennent de m'apprendre une technique qui est redoutable, la technique du chargé. J'adore. Et par contre, Baudruche, il monte toujours pas en level. Ok, à qui le tour? Ah merde, trop tôt. Oh là là.
Ah, j'avais pas vu, j'avais plus de vie. Ah, ce match-là, il était cool. Quelqu'un d'autre? Waouh, je vais... Ça en fait du combat. Bon alors là mon gars... Feu! Ah oui, j'ai pas remis mon énergie, d'accord. Ah oui, j'oublie que ça les fait pas tomber. Ah oui, elle m'aide aussi, d'accord. Bon, j'ai perdu. Ah non. Si, on a perdu. Défaite. Réessayez le combat. Putain, quand il tombe par terre, il reste 1000 ans. Vas-y, lui, il m'a saoulé. On change. Ah, j'ai pas vu quand il m'a envoyé... Quand il m'a envoyé son blé, là. Trop tôt. C'est quoi sa technique à lui? Oh, j'ai encore perdu. Je réessaye. Oh non, mais la vitesse qu'il envoie aussi! Il va me défoncer! Quoi ta technique toi? Ok, super. Ah bah voilà. C'était compliqué. On s'arrête pas. Je crois que c'est terminé. Très bonne séance.
Tu es même meilleur que Georges. On prendra sûrement un autre rendez-vous sous peu. Putain, ils m'ont fait mal. Bien. Je vois que tout a été très calme pendant mon absence. Tiens, Otto. Cool, la pince de ramassage. Je dois retourner à mon poste maintenant. Oh, la pince de ramassage. Tu me sauves la vie. Tiens, pour te remercier. Gant ou neuf. Ne t'en fais pas pour la pince. Je la rendrai quand j'aurai récupéré mon porte-monnaie. Alors. Augmente la force de 10%. Ben voilà. C'est ça que je cherchais, j'étais sûr. Ah, c'est pas mal ici. Ce monument a été construit quand notre école a accueilli la finale de la Coupe du Monde Junior de la FID. C'est une des plus grandes réussites du principal en dehors de sa carrière de dodgeball, bien sûr. La sucette, Miam. J'espère que mon équipe fera mieux dans le fourneau cette année. Je voulais vraiment participer au championnat inter-école. D'ici, la vue sur l'océan est absolument incroyable, tu ne trouves pas? Personne d'autre. Énergie revenue, ok. Et comment on fait pour aller là? Truffe au chocolat, bah dis donc. Très bien, tout le monde, taisez-vous s'il vous plaît. Ouais, le trophée est à nous cette année, j'ai hâte de voir ce que nous... Silence, je vous prie. C'est même pas ce que je fais ici, tout le monde est bénéfique. Je sens le professeur Marquier. Silence ou je vous réduis tous en miettes. Bien, bienvenue à tous au tournoi annuel de l'Académie de Dodgeball. C'est l'occasion que vous attendez tous de montrer votre potentiel explosif au monde. Voilà, coupe. De mettre la main sur cet incroyable trophée. Laissez-moi vous expliquer brièvement comment ça va se passer. Nous allons tirer les équipes aléatoires pour remplir les tableaux du tournoi. Pour participer, chaque équipe doit obtenir 3 badges. D'autres auprès du personnel de l'école. Un badge par membre de l'équipe, compris. Quel membre du personnel me demandez-vous? Ça, c'est à vous de le découvrir. Oh oh. On ne figure toujours pas officiellement au tournoi, alors. Non. Gardez le rythme. Trouvez le membre du personnel, accomplissez leur mission et récupérez les badges. Revenez ici, montrez les badges et c'est gagné, vous êtes qualifié. Alors, à vous de jouer. Plutôt vague comme instruction, comment on va trouver les membres du personnel qui ont les badges? Sans blague, Otto. Première chose à faire, c'est... J'ai faim, ok, j'arrive pas à réfléchir, le ventre vide. C'est parti. On poursuit à la cantine... voir qui s'y trouve. Il devient évident que Baudruche est le cerveau de l'équipe. À la cantine dans ce cas. Je regarde vite fait, il n'y a pas un truc à péter.
Bien sûr que si, il y a toujours un truc à péter. Chausson farci. Il y a un ballon là, spécial. Un coffre qui est fermé à clé, ok. Oups. Y aller, je parlerai aux trois autres après. Ah, voilà, gâteau au chocolat, ça c'est ma future coupe. Je vais tout donner pour le pour l'avoir. Jus de goyave, ok. Hop, nouveau ballon, on peut pas y aller. Ah, ça arrive à quoi de faire courir les enfants partout en quête de badge d'abord. Yo Otto, va trouver ses badges. Otto, il serait juste ici de chercher ses badges sans tarder. Ouais bah c'est bon. Mec, tu veux leur parler pour dire on sait jamais et puis non. Bah on descend. Apparemment faut monter. Hop 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 hop. Ah c'est là la cantine. Arrêtez fou. Personne n'est autorisé à aller à la cantine. Affant mon équipe les têtes à claque. Je vais te claquer en fait. Regarde, je vais te montrer ma meilleure joueuse. Waouh. Puis moi je t'esquive. Je te mets de l'électricité dans la tête. Ah, trop tôt. Super technique. Hop. Dans ta tête. Et là, je te finis. De la chance avec un ballon. Et voilà. Par contre, je suis toujours déçu. Mon personnage principal, il fait pas sa super technique là. Pardon. Impossible. Quoi? Ce n'était pas ce qu'on a fait prévu. Ah, j'aime pas comment ils parlent. Pas, je dis pas que y a des gens qui parlent comme ça, c'est pas de leur faute, mais. Ah, lui, il est relou. Yo, maman. Elle, c'est la dame de la cantine. Si tu veux savoir quelque chose, faut lui demander. Comment elle s'appelle? On ne demande pas ça, Otto. Qu'est-ce que vous voulez, petit garnement?
Jetez un œil à ma Camelot. Badge du tournoi. Eh, ce badge est indispensable pour participer au tournoi. Je peux l'acheter pour 1$? Ben voilà. Je me doutais qu'on dépensait de l'argent. Le badge devrait être gratos pour un défi, non? Ça devrait. Mais c'est pas le cas. C'est pour ma retraite. Et puis c'est un défi, pas vrai? Voici le défi que je vous lance. Le capitalisme. N'importe quoi, c'est contraire aux règles. Ça, je m'en fiche, je m'en veux. Pas d'argent, pas d'article. Et au fait, oubliez pas le pourboire. T'y connais quoi aux règles, Otto? Rien, oubliez ça. Tiens, voilà ton badge, Baudruche. Bon, on va où maintenant? Sachant que n'importe quel pion pourrait détenir les badges, on pourrait aller voir la surveillante. Je parie qu'elle est impliquée. Bien vu, Duduche. Je crois qu'elle traîne toujours du côté du portail qui mène à la forêt. Il y a une forêt ici? Oui, mais les élèves lambda, comme nous, n'ont pas le droit d'y aller. Ok, au revoir la dame de la cantine. Oh, c'est vous les enfants, qu'est-ce que je vous cherchais pour courir les articles? Ah, je peux acheter des trucs. Ah oui, il y a des trucs qu'ils aiment, qui sont allergiques, d'accord. Bon, après c'est pour gagner des PV. Hein. Bah, vous savez quoi? Je vais faire ça, regardez. Je vais en acheter un. 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 Comme ça, j'ai un check. Prenez soin de vous, les enfants. Ouais, à plus, madame de la dame de la cantine. C'est cool, on a déjà un badge. Hé, hey, Otto, défonce de t'approcher de la surveillante. Les têtes à claque vont lui prendre tous ses badges avant les autres. Ah bah... Et si on vous défonce? C'est le moment de tester ma nouvelle attaque. Hey, t'es bon toi? Allez, à plus. Non mais oh, le mec il avait une bonne technique au début mais contre mon bonhomme qui attrape les ballons au lieu de les repousser. Yes, niveau 10. Les dégâts de brûlure de ton tir chargé augmentent. Que demande le peuple? Une super attaque, ouais, peut-être. Mince, tu m'as eu cette fois-ci. Je t'aurai la prochaine fois, Otto. Tu verras, ouais. Qu'est-ce que... Cessez donc de colporter cette légende scolaire. Il n'y a aucun fantôme dans la forêt. Mon pote fantôme souriant, c'est pas une légende. Le fantôme souriant n'existe pas. Oh que si, morbleu, il existe. Il te regarde et sourit jusqu'à ce que tu passes l'arme à gauche. Et après, il sourit encore plus. Désolé de t'interrompre, mais on essaie d'obtenir un badge là. Dis donc les élèves, je vous signale que je suis en plein travail. Je tâche d'arrêter la diffusion des canulars au sein de l'école. Gare aux fantômes souriants, bougre des marins d'eau douce.
Très bien les enfants, je me rends, j'ai bien un badge. Passons au marché, vous m'aidez et en échange, je vous le donne. Vous devez savoir que je suis chargé de maintenir l'ordre dans l'enceinte de l'école. Et cela implique de gérer les élèves qui enfreignent les règles. Comme ceci là-bas, qui dégrade l'un de nos fontaines historiques. Ah ouais, mais c'est vampire. On va aller la défoncer. J'irai bien la sermonner, mais je dois rester là pour veiller à ce que aucun élève non autorisé ne s'introduise dans la forêt. Laisse-moi deviner, vous voulez qu'on la confronte en échange du badge? Eh bien non, mais maintenant que tu le dis, si. Dac, on va régler ça vite. Il nous manque encore deux badges, et je ne veux pas me faire exclure du tournoi. Eh ben, on va défoncer Vampy. Avec sa fameuse particularité de « je fais une esquive et je m'évanouis ». Je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête ça, Vampy. Quoi? Vous voulez quoi? J'essaie d'attraper ces pièces scintillantes. Elles ne sont pas à vous. Elles sont à moi. J'étais là la première. Bon, bah voilà. Ah ah! Laisse-moi prendre les ballons. Oula! Oula, tu fais des gros ballons, vampire! Qu'est-ce qui t'arrive? Eh! Ah oui, je fais deux fois la même erreur! On fait une balle normale. On fait une balle normale à l'esquive. Une balle en feu. En 3 ballons. Tiens, à toi. Ah merde, je fais n'importe quoi. Ah ah, j'ai tous les ballons. Allez, c'est bon. Trop d'esquive, vampire, m'a saoulé. Laisse ces pièces où elles sont. Tu risques de ruiner les rêves de quelqu'un. On ne faisait que protéger les biens de l'école. Ça n'a rien de personnel. J'aurai mes jolies pièces une autre fois. Repartons vers la surveillante. Notre badge nous attend. Ouais! On a un deuxième badge, on a un deuxième badge. Nous sommes occupés de l'incurieux. Voilà. On peut avoir notre badge, s'il vous plaît? Bah, déjà?
Heureusement, vous êtes à l'école. Vous seriez un danger dans la société ordinaire. Sauf Baudruche. Lui ne ferait pas de mal à une mouche. Pas la peine de le dire comme ça. La mouche lui botterait le cul. Ça m'est arrivé qu'une fois. Ce qu'on a fait là, c'est juste un début. Boulot quand même. Vous aurez de mes nouvelles. Bon, vous avez mérité le badge. Tiens, Otto. Badge du tournoi. Ouais. Plus qu'un. Et n'oubliez pas les règles d'or. Pas d'ulti-ball en dehors des matchs. On a assez de structures démolies comme ça dans les parages. Je me fais bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe si on utilise un ulti-ball en dehors de match? On essaie un peu pour voir. Est-ce que je te retrouverai? Et je t'alpagrerai. Je te mettrai en colle pour le reste de tes jours. Tu ne veux pas te faire alpaguer, pas vrai? Non, madame. Si on allait à l'infirmerie, elle devrait ouvrir maintenant. Il y a peut-être un badge. Et puis on pourra récupérer un peu après ce dernier match. Bon programme, allons-y. Ah, c'est en bas. Eh, regardez, l'infirmerie est ouverte maintenant. Sachant qu'on peut s'y reposer, je vais cesser de restaurer nos PV d'Akoto. N'oubliez pas d'acheter des articles à la cantine et de les garder sur vous en cas d'urgence. Bon, rentrons. On peut débarquer comme ça? Bien sûr, je bénéficie d'un abonnement platine depuis que j'ai envoyé le 100e patient. Ah ouais, quand même. Épatant. Je me sens presque soulagé malgré tous les bleus qui nous attendent presque. On peut toujours venir ici pour récupérer si on se blesse en entraînement au sport barbare et violent qui est le nôtre. N'aie pas peur. Essaie d'aller parler à l'infirmière. Bah ouais. Bonjour infirmière Joël. Bienvenue à l'infirmerie tout le monde. Prenez ce médicament si vous serez sur pied en un rien de temps. Trop fort l'infirmière Joël. Je me sens pleine forme. Je pourrais affronter n'importe qui. On se rafistolé après cette pris une fessée. C'est pas votre cas peut-être. Nos fesses vont bien, merci. Dis, t'as le cul en forme de cube aussi? Je vais jamais pouvoir m'ôter cette image de la tête. Regardez, on a un nouveau membre d'équipe. Eh, qu'est-ce que vous matez là, quoi? Vous venez de nous voir juste par fair play, pas vrai? Carrément pas. Nous sommes des racketeurs. Effectivement. Donnez-nous votre badge. Votre badge. Ouais. Je suis aussi la réponse D, non? Kubo. La menace ne fonctionne pas. Ah? Alors on va J'avais pas trop réfléchi. On va prendre le badge de Dudu. Je l'ai. Quoi? Le badge est à nous. Non, rendez ça. Otto l'a acheté. Oh, alors il est pas à toi, hein? C'était un sale coup, les gars. Je ne le permettrai pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous affronter, quoi? Exactement. On va résoudre ça ici même. Non. Je vous en prie, allez faire ça dehors. Je veux dire, on va résoudre ça sur le cours de dehors. Allons-y. Non mais oh, ils ont volé le badge de Dudu. Foiré. Ouais, je te connais déjà.
On change. Je vous électrocute. Quel minable ce baudruche. Il cherche même pas à répliquer. Oh. Eh, ça suffit. Comment tu causes à mon pote, toi? Quel blaireau, il se cache derrière ses amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez ça. Tu sais rien faire. Je te défends de parler comme ça de mes amis. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? C'est sa maman? J'ai dit de te... Hadouken! Voilà. Oh, mon coup multivol. Je crois avoir enfin réussi à le sortir. Aïe! Merci pour les ballons. Élimination! J'ai mis un coup de pied. Ah, j'avais pas vu qu'il avait pris le ballon derrière. Pareil. Dégage, t'es moche. Oh, le mec, il se fait dépasser à lui-même. J'ai éclaté. Cool, on les a eus. Maintenant, rendez-nous le badge. Bande de voleurs. Ah, joli pendentif. Les dégâts électriques de ton tir chargé augmentent. Cool. Ah oui, il est passé niveau 10. Si seulement ils mettaient autant d'énergie dans le dodgeball que dans leur combine. Ce n'est pas fair play du tout. Ils devraient coper d'un carton. Ah ah, tu parles comme un arbitre, Otto. C'est pas vrai, ils ont pas le droit. Qu'est-ce qui ne va pas, baudruche? Ils ont profité de moi. Parce que je suis le plus faible, ils m'ont pris mon badge. Eh, tranquille, c'est eux les abrutis. Ils n'ont qu'à en acheter un autre à la cantine. D'accord. Non, on n'a qu'à en acheter un autre à la cantine. En tout cas, hop. Ouais. Bonjour infirmière Joël. Et c'est cool ça. Ah. Il ferme la clé. Bon allez, on va aller voir la dame de la cantine. Aïe. J'espère qu'elle a encore des badges à 1$. On vient racheter un autre badge. Bien sûr gamin, achète tout ce que tu veux. Moi j'en prendrais pour 1$, là il y en a pour 1000$. T'as pas assez d'argent pour acheter cet article. Mais les prix ont explosé. Ces badges sont devenus des denrées rares, recherchées à travers toute l'école. Et dans ce cas, le prix grimpe. C'est ça l'offre et la demande, les mioches.
chose est claire, le capitalisme n'est pas soluble dans le dodgeball. Salut! Vous avez l'air troublé, il me reste justement un badge que j'ai acheté tout à l'heure. Oh, tu veux bien nous le céder? Il nous le faut. Suneko, tu participes au tournoi au moins? Non, ce n'est pas trop mon truc. Tous ces règles, peut-être aurais-je apprécié le plus jeune quand j'étais plus tendre. Oh. Je veux de vraies batailles avec de vrais enjeux. Les matchs en marge du tournoi, ça c'est du sérieux. Que diriez-vous de jouer ce badge ici même, le vainqueur le remporte. Ça m'a l'air équitable. Ça va chauffer. Allez, baston. Attends, c'était quoi ça? Elle utilise sa compétence de sous-concentration. Si elle est capable de tenir sa concentration assez longtemps, elle obtient un effet spécial. À chaque élève, sa compétence de concentration. Essaye de maintenir Y, toi. Ah, dernière chose, tu peux uniquement te concentrer s'il y a des balles dans le camp adverse. Oh, elle est en train de me défoncer là. Ah, je l'ai défoncé quand même. J'ai failli mourir. Je comprenais pas c'est quoi leur truc de concentration. Mais... Ah, tu es plutôt doué, Otto. J'ai lancé un duel et j'ai perdu. Alors tiens, tu l'as mérité. Badge de tournoi. Ouais, ça en fait deux. Très bien, merci. Ça ne se passera pas toujours comme ça. Il nous manque toujours un badge. Ces badges sont censés être un test pour l'ensemble de l'équipe. Il a raison, les tests de notre gestion des ressources, de capacités physiques. Peut-être que le prochain test est intellectuel et selon la bibliothèque. Ouais, moi j'aurais plus vu mec de l'accueil, mais c'est vrai que la bibliothèque, ouais, ça tient. Aïe. Bonjour madame. Ah, c'est le troublion d'hier. Vous avez un badge, je le sais madame. Jamais je ne te le donnerai. Génial, allons en avoir un. Mon test exige de l'intelligence, de l'astuce et un esprit affûté. Or, je constate que ta casquette t'écrase la cervelle en compote. Vraiment, je vous écoute. Je pourrais répondre pour toi, Otto. Non, je suis curieux de connaître l'état de mon cerveau en compote. Très bien, commençons. Question 1. Qu'appelle-t-on le rayon? L'élément le plus radioactif, la distance du centre à la surface d'une sphère, le dispositif séculaire pour écouter de la musique. Correct. Question suivante. Comment calculer le rayon d'une sphère à partir de son diamètre? Je demande à Baudruche, en y mettant du sien, il s'agit du diamètre divisé par deux. Très bien. Question suivante. Comment s'appelle la dame de la cantine? Comment je suis censé savoir ça? Réponds seulement à la question. Vous marchez sur des œufs frais, gamin. Je reprends. Comment s'appelle la dame de la cantine? Astrid? Boris? Personne ne sait.
Je vois que tu sais être attentif. Très bien, voyons voir ton score final. Tu as tout bon. Je suis bluffé, gamin. J'ai peut-être sous-estimé ton cerveau en compote. Tiens, le badge est à toi. Vous voyez, comprimer mon cerveau le fait mieux fonctionner. Je suis désormais certaine que les quiz ne sont pas un outil pédagogique valable. Ouais, c'était chaud, mais on l'a eu. Super, on a les trois badges. Repartons en dôme pour les valider. J'espère qu'on va pas se faire prendre en guet-apens dehors qu'on nous vole nos trois badges. Le pont il est trop arqué là. Mais non, j'avais pas besoin de monter. C'est en bas. Aïe. Oh, regardez qui voilà. Et puis le bon moment. J'avais vraiment besoin d'un combat pour me détendre un peu. Attends, on vient de combattre tout à l'heure. Ça suffit! Notre petite Rix à l'infirmerie aujourd'hui m'a fait réfléchir à une nouvelle combine. Un moyen d'aider mes Aniki blessés au combat. Ma compétence de concentration, je vais transférer des PV à mes alliés. Ça fait un peu mal. Mais si c'est pour mes Aniki, c'est pas grave. Et voilà. Vas-y, donne-moi le dernier ballon. Voilà. Et là, si j'ai de la chance, je vous tue. Oh là là. On a gagné! Ah, bien joué! Bah, au moins, je me serai détendu un peu avant le tournoi. Ah oui, je crois que j'ai trouvé comment on peut l'avoir celui-là. Comme ça! Ah bah oui! Bah non, en fait, on se tente. Sucette miam miam. Je voulais sauter. Ouais, en fait, sauter. Bah ben non, en fait, faut que j'aille. Nous voilà avec tous les badges en main. Parfait, je vais les compter. Un formidable. Vous êtes fort, hein. En revanche, vous êtes un peu en retard. Nous avons déjà établi les tableaux du tournoi. Vous occuperez la dernière case. Oh.
Et je peux annoncer que le premier match aura bientôt lieu très bientôt, dans la journée. Oh. Et le bas du tableau est en lice pour le premier match, votre équipe. Oh. Vous allez affronter les têtes à claque. Oh. L'équipe de Kubo, vous voulez dire? C'est une chance inouïe. C'est l'occasion de venger le vol de notre badge. Hein? Mais t'en fais pas, Baudruche. Ce ne sera pas ton combat. Mina et moi allons nous charger d'eux. Prenez le temps de vous préparer. Quand vous serez prêt, le principal vous attendra juste devant le dôme. Ouais, on va remettre de l'énergie. Heureusement qu'ils me l'ont dit parce que j'ai failli j'ai été trop loin. Bonjour infirmière Joël. Vu que ça coûte pas d'argent, j'en profite. Hein. Ah, il rentre dedans. Êtes-vous en forme et prêt pour le match exaltant à venir? Carrément. Merveilleux. Alors, place au dodgeball. Auto. Je veux participer au match. Oh, non, 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 non. Tu n'es pas obligé, ne t'en fais pas. Si, il le faut. On a perdu ce badge pour ma faute. Je veux me rendre utile cette fois-ci. Ouais, mec, bien parlé. Affronte tes peurs. Conne-les. Faites-leur les rotules. Si tu le sens comme ça, ça serait génial de te compter parmi nous, mec. Allons leur montrer ce qu'on sait faire. Je veux maintenant jouer Baudruche dans le mode versus. Formidable, formidable. Je vais rentrer m'occuper des derniers préparatifs. Je vous appellerai le moment venu. Attendez-vous à un public nombreux. Oh, ça oui. Merde, j'ai pas pu lui donner des objets. Bienvenue à tous pour ce premier match du tournoi scolaire de l'année. Je vais avoir l'honneur d'annoncer chaque match et de découvrir le nouveau talent. L'avenir de l'école dépend d'eux. Alors comment refuser? Le match d'aujourd'hui opposera les rentres dedans contre les têtes à claque. Vous nous avez donné ce badge et maintenant vous allez nous donner la victoire. Hé, Baudruche, tu es avec nous? J'ai les jetons. Je veux toujours le faire. Super, on sera à tes côtés tout le long. Vous n'avez pas entendu ma provocation? Merci, Otto. Cessez de m'ignorer. Aïe, mes PV, ils ont chuté de 1. Hé, Kubo, le match n'a pas encore commencé. C'est contre les règles. Pas de bol, hein, Otto? Je sais que vous êtes tous impatients. On sent plus tarder que le match commence. On ne pourra pas gagner comme ça, c'est totalement injuste. Tu es complètement inutile, Otto. Mais pas autant que Baudruche, cela dit. Je peux être utile. La preuve. Je vais aider mes amis. Baudruche, tu as des pouvoirs de guérison, c'était pas tant. Je suis comme neuf, en avant. Merci pour le ballon.
Qu'est-ce qu'il nous fait, Superman? Eh, c'est complètement dégueulasse, ça. Vous allez le payer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oula. Élimination. Quel tricheur. Ah, je peux appuyer? Je sais pas. Ta face. On a gagné le premier match du tournoi. Et hey, niveau 10, oui. Ça c'est cool. Ça alors, avec de si beaux matchs, nous sommes sauvés. Les rentres dedans remportent le premier match du tournoi. Vous avez vraiment besoin de commenter chaque seconde du match? Je dois garder un œil sur l'avenir de cette institution. Monsieur Macaco. Et puis c'est rigolo. Félicitations. C'était une brillante démonstration de technique. Vous nous avez tenus en haleine jusqu'au bout. C'était une vraie performance. Et tout cela grâce à Baudruche. Je ne m'attendais pas à ce que mon ultibol s'éveille à ce moment-là. Merci d'avoir cru en moi, Otto. De rien, Baudruche. Soutenir mes coéquipiers, c'est mon devoir. Mais bon, si on a gagné, c'est seulement grâce à cet ulti-ball. Il faut encore s'entraîner. Ce n'est pas fini, Otto. Je t'aurai, tu verras. Allons, allons, Kubo. Je t'enverrai en col tout de suite si tu ne devais pas te rendre à l'infirmerie. Nous ne cautionnons aucune conduite anti-sportive ici. En revanche, l'équipe d'Otto, quel génie! Ils ont retourné la situation comme si de rien n'était. Les rentes dedans, vous passez à la manche suivante. Les têtes à claque sont malheureusement éliminées du tournoi. Qu'arrivera-t-il à la prochaine fois? Ces matchs d'ouverture ont été exceptionnels, je n'en reviens toujours pas. Rendez-vous au prochain match. On retourne au dortoir, la victoire ne s'épuise. Voilà, je vous. Hop, équipement. Alors. Joli pendentif. Remplir 1% de la jauge de l'ultiball au début du combat. Augmente l'agilité. Restaure les PV de. Restaure 35% de tes PV. Après un combat.
défense 15. Coup d'oreille. On va lui mettre ça. La restaure les PV à hauteur de 15% des dégâts infligés aux adversaires. Voilà. Vu que j'ai censé être c'est censé être notre soigneur, on va le voilà. Vu qu'on sait pas ce qu'il va y avoir sur la route. Autant aller voir l'infirmière jouelle d'abord. Voilà. Courrier, il n'y a pas de courrier. Non, rien de neuf. En bas, j'ai toujours pas la clé. Oui. J'ai vu juste les fourneaux ici. Tu es la vedette du jour, Baudruche. Merci, Otto. Faisons de notre mieux demain. Eh ben. On est arrivé. Le lendemain. Première. On fait coup. On a notre premier cours. Direct après, on part chercher des badges et faire le premier match de tournoi, pardon. Ah, c'est l'école, c'est. Déjà réveillé, Otto ? Être réveillé supposerait que j'ai dormi. Ce qui n'est pas le cas. Je suis trop excité pour ça. C'est bien. Je veux dire, ce n'est pas très bien pour ta santé. Tout ça, tout ça. Mais c'est bien parce qu'au coup. Parce qu'on a cours avec Kat aujourd'hui. C'est hyper. C'est l'hyper professeur, c'est ça ? Voilà sa spécialité, c'est l'agilité. Elle va te faire brûler tes calories direct. Génial, allons-y. Allez, on va en cours. Bah alors, vous avez eu une panne de réveil. Moi aussi, on est en retard pour le cours. On a toujours rien. Youhou ! En mode boulette. Est-ce que tous les jours ils disent la même chose ? Ouais.
pas trouvé la... tes commandes, elle. Pas de courrier. Elle était trop loin. Aïe! Si vous voulez passer, il va falloir vous battre. Bah... d'accord. Oui, en plus en bout portant. Non mais moi je suis... voilà, je suis pas là pour rigoler. Part de pizza à l'ananas en plus. Non mais voilà, ne m'insulte pas s'il te plaît. Qui est là? Je n'arrive plus vraiment à le savoir depuis la tragédie de ce matin. J'ai cherché mes précieuses lunettes d'Honshu toute la journée. Ma vie est fichue. Comment vais-je esquiver les ballons si je ne vois pas? Oh triste sort. Comment vais-je pouvoir continuer? À moins que quelqu'un, un héros, ne me vienne en aide à cette période si noire. On doit pouvoir l'aider. Magnifique! Quel gentleman! Je ne l'oublierai pas et je vous récompenserai. Tout ce que je peux dire, c'est que je les ai perdus près d'ici. J'espère que vous me les rapporterez rapidement, ô triste sort. Oui, absolument. Nous serons de retour très vite. Alors, faut demander aux gens. Tu cherches la bagarre? Non, je cherche des lunettes. Change, t'es nul. J'ai révélé ma tactique, cette fois-ci tu ne gagneras pas. N'en garde. Thank you.
Eh ben, il est devenu balèze, lui, disons. Il est en train d'éliminer toute mon équipe. Ça va pas le faire. Ah, j'ai pas le réflexe. Fais chier. Oh non! J'ai perdu. La honte. Je réessaye le combat. Tu veux jouer à ça? Il est fort, lui. Il est devenu fort. Voilà. À toi, rien fait, les adversaires touchés par son ulti-wall brûlent. Baudruche a appris l'augmentation du flux.
Ton tir chargé ne charge plus, se charge plus rapidement. D'accord. Ah, bien que son tir chargé est un peu bizarre. Ah, et tu as gagné. Tu verras la prochaine fois. Écouteur intra. Qu'est-ce que ça fait un écouteur intra? Augmente la force de 30% tant que tu ne subis aucun dégât. On va aller voir l'infirmière Joël. Je me demande comment de l'eau sucrée peut soulager mon mal de tête. Ah, ça doit faire 100 fois que Boris m'envoie ici. Oh, regardez qui voilà. Si c'est pas le responsable de mon séjour prolongé à l'infirmerie, pas d'inquiétude, je t'aurai la prochaine fois. Tiens-toi prêt. J'ai mal quand je rigole. Écoute bien pendant les cours d'esquive du professeur Katz si tu ne veux pas te retrouver ici. C'est la réunion de notre club secret, on ne peut pas débarquer comme ça. Quoi, des lunettes? Je pourrais ou non avoir trouvé des lunettes. Mais on ne parle pas des affaires du club secret avec les étrangers. Un club secret? Ça fait un peu peur. Vous voulez rejoindre notre club? On va vous initier, dans ce cas. Ils vont nous rosser! Mais toi qui se relève, mon bonhomme. Bon. Je passe la main. Aïe. Alors là. Mais j'ai déjà vu ce que tu sais faire. Tiens ton club secret là. Un monde vide, dis donc. Oh, vous êtes fort. Bon, bah bienvenue au club. Et pour les lunettes, je les ai plus. Elles n'avaient pas l'air de valoir grand chose, alors je les ai données à la dame de la cantine. Couteau, je n'avais encore jamais fait partie d'un club secret et je suis super content. On va devoir aller voir à la cantine maintenant. Attends, maintenant qu'on fait du club secret. Aura félicitations pour avoir rejoint le club. Ça ne ressemble plus à un club secret. Ouais, bonjour, cher nouveau membre. C'est super de vous compter parmi nous. En bas. Hey. Tu me défies? Je te défie. Ah, joue.
con lui. J'ai eu du mal. Va falloir retourner voir l'infirmière Joël. Parce que là on a perdu trop de vie. J'aurais dû m'entraîner davantage. Ah merde, j'avais pas vu elle. Il n'a aucune chance contre moi. Le guet-apens. Merde! J'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Je suis dégoûté. Oh, elle s'est fait rosser. Non! Putain! Oh, je suis mort. Ah non, je peux encore esquiver. Esquive, esquive, esquive. C'est bon. C'est mort. Eh, j'ai un point. J'avais tort. Oui, j'ai... Oh là. J'ai des trucs à bouffer, mais je vais les garder, on sait jamais plus tard. Si je vais, je sais pas, dans une zone où... je sais pas, où un labyrinthe, la forêt peut-être maudite, là. C'est ouvert ou pas, aujourd'hui? Non, c'est plus jamais ouvert. Alors là c'est du combat pur. Non, là c'est du combat pur. Ok, donc on va aller en bas. Bon, les lunettes. L'eau, je crois qu'elle me parle. Ok, d'accord. Non, non, écoute-moi. Elle dit que des gens ont jeté des ordures dans la fontaine. Elle dit que ces trois cochons méritent une leçon. Tu veux bien m'aider? À aider l'eau? Ouais. L'eau dit qu'un de ces malotrus se trouve près du téléphérique, un autre près de l'infirmerie et le dernier dans la forêt. D'accord. Et au courant qu'on n'a pas le droit d'aller dans la forêt. Eh, prépare-toi une défaite humiliante. What? Ils sont 5! C'est quoi ce délire? Ah
Victory! J'ai parlé trop tôt. Alors. Bah ça doit être lui, hein. Eh, reviens. Eh, toi! Attraper, hein. Loup m'a dénoncé. Tiens, prends ça. Ok, je jetterai mes ordures à la poubelle la prochaine fois. Ah oui, on doit aller voir la dame de la cantine. Salut la jeunesse, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pardon. On cherche une paire de lunettes égarées. La fille qui les a perdues en a vraiment besoin. On nous a dit qu'on vous les avait données, madame. Ah, je vois, mais je ne peux pas juste vous les rendre comme ça, de si jolies lunettes. Si vous les voulez, il va falloir payer. Donner, c'est donner. Tout ça, c'est pas moi qui fixe les règles. Je vous les rends si vous m'aidez à faire quelques corvées. Bon, d'accord. Que doit-on faire? Dernièrement, beaucoup d'élèves viennent se plaindre des snacks que je vends. Pourriez-vous vous en occuper? Comment, une sorte de service clientèle de... D'accord, je crois. Eh, hey, madame, mon hamburger est froid. Et tu as une réclamation, nous sommes à ton écoute. Ah ouais, d'accord, les mecs ils viennent se plaindre et nous on les rosse. Bah attends, j'étais en train de changer de perso. T'abuses. Peu importe, le burger était délicieux. J'ai fait tomber mon pain, je veux en avoir un autre. Bah paye. Tu veux un pain? Tiens, c'est cadeau. Ça c'était marrant. Tiens, tu veux un pain? Tiens, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais j'étais par terre. Ça marche pas quand t'es par terre. Tu vas me le payer.
que tu crois que tes ballons de merde là, tu vas me faire quelque chose. Bien joué la bubule. Par contre je suis en train de perdre mes persos. C'est pas grave, en plus j'ai eu du mal à digérer le gluten. Bon, madame, j'avais demandé sans tomate. Je crois que tu vas avoir un pépin. Ouais. Celle-là, je suis moins fan. Perdu. Ah ouais, mais je peux pas les rattraper, ceux-là. Ça va être dur, ça va être dur. À moins que... Si je fais ça... Non, je peux pas. Non mais les gars change l'un là. Oh non mais c'est pas possible. Putain je vais me retrouver dans une boucle infinie là. J'avais pas vu les niveaux 25. Dans la merde. Donnez-moi les ballons. Attends, je reteste une fois vite fait. Je suis obligé de faire ça. Je n'ai jeté aucun déchet dans l'air. Quelle preuve as-tu? Mais attends, c'est bon là. Attends, ça va pas.
Ah ouais, je peux appuyer, d'accord. Je me disais merde, c'était trop... C'était trop difficile. D'accord, j'ignorais que la fontaine avait un garde du corps si fort. Ah, à chaque fois je me gourde ce bouton. Il y a tout à gauche. Pourquoi tout à gauche? Ah oui, non, c'est juste il est dans la forêt le gars, mais on peut pas y aller. Non. Je fais comment pour aller dans la forêt? Ah mais je suis jamais venu ici. Attends, je peux voir. Vont-ils enfin dégager le chemin qui mène à la forêt? Ça fait des semaines que c'est comme ça. La jauge du petit bol se remplit 10 fois plus vite. Remplit 35% de la jauge de l'ulti ball au début du combat. Bien ça. $11 Ouais mais non. Ouais, on se casse. Trop limité. Si je prends 3 ballons. Ah non, c'est trop limité. Thank you.
Voilà. J'ai toute ma team. Lui, il voulait pas de tomates. Mais tu vas voir ce que je vais te faire de tes tomates. Voilà, il fallait avoir le bon perso. Alors, Mina a pris bobine d'inductance. La puissance des éclairs consécutifs augmente pendant son ulti-ball. C'est cool. Ok, les légumes c'est bon pour la santé. Magnifique, excellent travail. Une promesse est une promesse. Voici les lunettes. On a réussi, Otto. Rapportons-les à cette fille. Eh ben, on va pouvoir aller en cours. Et qu'est-ce qu'il raconte, lui? Cette affiche de Baby Ball me fiche vraiment la trouille. Et voilà, nous avons récupéré tes lunettes. Oh miracle, tu as réussi. Mes lunettes d'eau chaud. Merci, tu es mon héros. Tiens, prends ça comme gage de ma gratitude éternelle. Un bracelet, il est. C'est agréable d'aider les gens à auto. Alors, bracelet, il est où? Augmente la force de 20% quand tu es dans les airs. Pardon, mais c'est pas tout. Il faut aller en cours, messieurs, dames. Par là. Ah oui, mais... Avant tout, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui veut se battre? C'est pas que je suis pour la baston, mais... Ah si, lui, il vient me choper avant la queue à l'école. Eh, vous seriez pas en retard au cours? Bah si, et vu qu'on va se taper, on va être encore plus en retard. J'ai pas le réflexe, je suis chier. Hey, mais j'ai changé. Non, c'est dégueulasse, j'avais changé. Thank you.
Pourquoi je fourre toujours mon nez où il faut pas? Ouais, c'est bon. Allez, on va en cours. Baudruche, Otto, Mina, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous fabriquiez? Vous faisiez du dodgeball avant la classe? Dépêchez-vous de vous asseoir. On s'assit où? Il n'y a même pas de... On peut même pas s'asseoir. Écoutez tous, le cours sera très spécial aujourd'hui. Chester, c'est à toi. La vache! Il a l'air super un télo avec ses lunettes. Chers collègues, je viens du lointain club de sciences. En vue d'améliorer vos performances par la science. Ça a l'air cool. Hé, Baudruche, tu crois que je... Arrêtez de chuchoter quand je parle. Soyez attentifs ou vos cervelles de moineaux vont rater tous les mots savants. Il cache. Je crains que son intellect n'ait pas encore eu d'effet sur ses manières, Otto. Et c'est qui lui? C'est un c'est quelqu'un ou c'est un chat? Tâche de ne pas le contrarier, Chester peut être assez buté. Je vous informe que j'ai été invité ici au nom de l'école. Pourquoi? Se demanderont sûrement vos ridicules cervelles. Ah bah il est télépathe, dis donc. Et à cette question, voici la réponse. Voici les Dodgebots en instance de brevet. Tout à fait, Chester. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'esquive. Et croyez-moi, quand les boules de feu, éclairs et compagnie déboulent sur le cours, vaut mieux esquiver. Les Dodgebots que vous voyez ont été inventés par Chester pour nous entraîner à esquiver. En effet, ma chère consœur de l'enseignement, mes brillants Dodgebots vont faire de vos tas de chers néophytes de vrais pros. Désolé, hein, j'ai du mal à lire, j'ai trop lu, j'en peux plus. Voilà. Et surtout que j'aime pas lire à haute voix alors. Non, rectification, vous allez devenir des surhommes du dodgeball. Des colosses physiques. Des dieux du cours. À condition, bien sûr, que vous suivez cet entraînement scientifico-rigide jusqu'au bout. Et si on n'y arrive pas, alors vous risquez la mort. Ou au moins une balle dans la tronche. Ça fait mal, c'est pas agréable à éviter. D'ailleurs, puisque tu es si curieux, pourquoi ne pas essayer en premier? Il sera très scientifique de voir de quoi ils sont capables au cours d'un match. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Une minute, j'ai fait le cobaye là. Ah, on s'en fiche, je les attends tes robots. Oui, voyons combien de temps durera cet enthousiasme. Lancement de l'entraînement. Esquivez, 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 esquivez. Ok, on peut pas rattraper. Oui, en même temps, c'est un cours d'esquive. Hop. Mettre en fond de cours, tac tac, hop 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 hop, oula! 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 Esquivez, 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 esquivez. Non, ça a pas l'air de marcher. Hop 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 hop. 47 secondes! C'est bon ou pas? Ah! Bah je sais pas, on dirait que ça a l'air bon. J'aurais voulu tenir la minute mais... Oh, tu as survécu. Cela indique clairement que les Dodgebots peuvent fournir plus de puissance. Je vais arranger ça. Ce truc, c'est pas une blague. Évidemment, la puissance de la science n'est pas une blague.
Bien, je les ai réglés. Qui est le suivant? Choi va se mesurer à ses conserves, ouais. On a une mascotte, je veux le caresser. Il s'appelle Choi et c'est un élève comme nous. Mina, Choi s'est entraîné pour devenir aussi fort que toi. Je me demande d'être impressionné. Et vous, les automates? Vous. Oh, pardon. Vos froides pièces d'acier et vos circuits électriques ne seront pas de taille face aux efforts de Choi. Oh non. Ah. C'est fini. Ah. En plus, il rigole. Un nouveau concept s'est formé dans nos esprits artificiels collectifs. L'humour, c'est plus plaisant que les oiseaux. Regardez, leur conscience se développe. Ils apprennent. Quelle formidable idée d'associer tous leurs esprits au noyau du traitement de zéro. Ainsi vont les meilleurs de la... vont les merveilles de la science, issues de mon génial et merveilleux cerveau. Désolé, j'en ai les larmes aux yeux, à mes yeux de scientifique. Comme l'œuf produit la poule, la douleur produit l'humour. Et nous voulons plus d'humour que de pantalon, tu vois. Nouvelle cible acquise. Une classe entière d'élèves. Ridicule, aucune pitié. Oh non, pas encore. Zéro ne se contient plus. Il me faut ma télécommande. Où est-ce que j'ai encore... je l'ai encore mise. Un des kits pour un... Ce que je préfère, j'en suis... C'est parti. En gros, on va leur tataner la gueule. Rapide. Merde, il me fait des balles lentes. Tiens, je vais te passer ma copie, tu vois. Elle joue pas au dodgeball, elle joue au foot. Et qu'est-ce qu'ils aiment pas? Les robots, c'est excité. High kick. J'ai fait trop tôt. Ou non. Vas-y, envoie le ballon. Aha. Ah merde. Ah, je l'ai eu. Oh, je vais enlever toute sa barre. Désolé les dodgebots. Mais on dirait qu'aujourd'hui, c'était pas votre jour. J'ai défoncé. La récré n'est pas encore finie. Le plus amusant, c'est les os. Il nous faut plus d'os à broyer. Ils se sont sauvés. Ce n'est pas une occasion en or de tester vos compétences? Oui, oui, les situations les plus réalistes sont les meilleures. Écoutez tous, ce sera tout de même votre leçon du jour. Pensez agilité, affrontez ces dodgebots et mettez un terme à leur accès de violence. Si vous échouez, je suppose que ce sera la fin de cette bonne vieille académie. Otto, on fait quoi? Chester a parlé d'une télécommande, allons le trouver. Comment je fais pour aller là-haut? Jus d'ananas. Vous ne vous lancez pas aux trousses de ces dodgebots? Je viens de décider que ce module aurait un fort coef dans vos notes finales. On peut... Ou peut-être préféreriez-vous relever le défi d'esquive à nouveau? Non, merci. Oh, salut tout le monde! Et Mina? C'est tout? Bon, bah allez. On va chercher les dodgebots.
Je ne sais absolument pas où se trouve Chester. Pardon, du côté de la place centrale peut-être. Pourquoi pas? Allons-y. Au secours! Je ne veux pas mourir, vierge de tout diplôme! Vite! Il faut qu'on sauve ce vieux gamin! On a défoncé les deux bottes. C'est cool, ça monte. C'était moins une. Vous avez risqué votre peau pour me sauver. Tout le monde aurait fait pareil. Et Modeste avec sa auto, pas vrai? Je t'ai vu dans le coin. On est amis maintenant, Otto. Et l'amitié, c'est sacré. Ça fait un bail que j'étudie ici. J'ai des yeux et des oreilles dans toute l'école. Je suis un homme aux multiples ressources. Demande et tu recevras. Génial, on voudrait savoir où trouver Chester. Bah, il est là, derrière le banc. Tu ne perds pas de temps. Mes yeux et mes oreilles vont localiser ce Chester sans tarder. Après tout, il a une réputation de gros teubé. J'ai entendu, je ne suis pas un gros teubé. Zut. Oh, c'était facile. J'ai payé ma dette, hein, Otto. Vous avez perdu du temps en vous précipitant pour me sauver. Comme vous voyez, mon intellect hors pair a déjà trouvé un moyen de préserver mon intégrité physique. En te cachant comme un lâche, je préfère le terme relocalisation stratégique. Oh non, encore des mots alambiqués. Écoute, on est venu chercher la télécommande. Où ça? Ouais. Je ne l'ai pas. Comment ça, tu l'as pas? Qui l'a alors? Cette télécommande a des fonctions de dingue. Allez, exécutez ma volonté. Bidon de métal. KO, KO, KO. Dis-moi que t'as une télécommande de rechange. Je crois que j'en ai une autre au labo. Mais je n'y ai plus accès. Et puis le labo est situé dans la forêt. Et alors? J'ai les chocottes en pensant à cet endroit. Peu importe, il faut qu'on aille au labo. Rendons-nous dans la forêt. Hey, il va vous falloir quelqu'un à l'intellect surdéveloppé pour pouvoir convaincre la surveillante qui garde le portail. Suivez-moi, cher collègue académicien, pardon. Non, Chester, toi tu restes ici même. Oh? Je veux jouer. Tu veux bien jouer avec moi? Va-t'en, boîte de conserve.
des batteries à gogo, on peut tenir sans faillir. Vous allez où comme ça, vous trois? Nous devons accéder au labo pour arrêter tous les Dodgebots et sauver l'école. Très bien, deux choses. D'abord, le personnel scolaire doit déjà être en train de gérer cette histoire de robot. Ensuite, la forêt est interdite. Et c'est pour ça que je suis là. Je savais que l'un de vous profiterait du chaos pour s'échapper. Alors, soit vous revenez avec une autorisation écrite du principal en personne, soit personne ne sort, c'est clair. Quel bureaucrate! Bon, on va aller voir le principal alors. Il est où le principal? Par là-bas. Non, par là-bas. Eh, fais la queue! Je vais te faire le visage, ouais. Ouais, oui, j'avais oublié, c'est le ballon. J'avais pas vu que j'avais autant de ballons. Victoire! Baudruche, il a du mal à marcher, à monter. Bon, tu peux passer devant. Non mais oh. C'est quoi ces manières? Écoutez, le personnel de l'école est submergé par cette invasion robotique. On devait ajouter les attaques de robots au programme scolaire, j'imagine. Ah, les enfants, vous venez m'aider à échafauder un plan pour contenir ces robots? On peut dire ça comme ça, oui. C'est formidable. J'adore les jeunes qui ont l'esprit d'initiative. C'est ce que je préfère dans ce travail. Ouais, mais pour pouvoir vous aider, il faut qu'on accède à la forêt, papy. La forêt strictement interdite, ma petite dame. Eh, hey, je suis pas une dame. C'est sombre, traître et rempli d'insectes. Et oui, interdiction tient toujours. Même pendant cette robocalypse. Ouais, c'est ça. Le danger ambiant n'est pas un prétexte pour enfreindre les règles. C'est même l'inverse, d'ailleurs. Il est bien plus responsable que ce que j'espérais. Les Dodgebots ne semblaient pas fan des autres appareils mécaniques. Ah ouais. Il n'y en a pas un qui a parlé de vandaliser la voiture du principal. Hein? Je crois que les mots exacts étaient la réduire en ferraille. Et puis la manger. C'est bon, je vous donne à tous l'autorisation d'entrer dans la forêt. Mais uniquement parce que vous êtes de courageux jeunes gens. Ce que je respecte. Ouais, c'est ça. Donnez cette lettre à la surveillante, elle vous laissera passer. Compris, merci monsieur le principal.
Remerciez-moi en restant prudent, entendu? Ça me briserait le cœur de vous savoir blessé. On fera attention. Bien, partez maintenant. Pas un truc à casser, non. Et ben voilà, on a eu la lettre! C'était cool ces salades. Le principal adore sa voiture. Ouais, alors on l'a un peu embobiné. Oh, j'ai presque pitié pour lui. Mais c'est pour une bonne cause. En route pour la forêt. Sauf que... on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça très rigolo. En plus, le côté de... tu vois, le... le côté... ouais, je sais pas, mais j'aime bien. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.